Yop l'équipe, c'est bon, on est parti. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Nickel les frérots. Oh là là, l'aspect du bat, du watch, pardon. Allez Chad, tu peux le faire. Tu peux y maraf 7 ans là. Allez. Oui. Voilà, ça c'est propre ça. Le Chad qui résiste. Ah, il y en a quand même qui joue Néliel, hein, PVP. C'est bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Alors, attendez, c'est bizarre, mon micro est pas ultra fort. Juste aller voir un truc, tac. Tac. Tac, on ferme Discord. Toi, tu te décales, merci. J'espère que ça décale pas sur la capture, non, c'est bon. Ok, hop, tac, oui. Bon, est-ce qu'il va vouloir me l'ouvrir? Ça, c'est pas dit. Toujours pas, bon. Faut se décider là, hein, au bout d'un moment. Ah, ça y est. Est-ce que mon nose gate est au maximum? Ah, voilà. Normalement, on doit entendre encore un peu mieux. Tac. Ouais, on m'entend un peu mieux. Pas du tout, pas beaucoup, mais ça va. Est-ce que le chat Twitch marche sur OBS? Je sais pas du tout. Donc bon, si vous êtes là, dites un petit coucou ou un truc comme ça. Je vais aller voir en même temps sur sur Twitch. C'est pas ça, c'est ça. Faut que j'arrête d'aller sur les mauvaises choses. Bon, pour ça, il y a personne. Bon. Je sais pas, ok, Streamlabs, il me dit qu'il y a une personne. Bon, s'il veut. Hein. En plus, là, le débit, il est assez stable de... pour live, c'est cool. Merde, hop là. Alors, est-ce que sur Discord ça a mis la notif du coup? Toujours pas. Bon. Donc, faut short. Non, ça veut pas me mettre ma notif de stream, c'est ça? Bon, racisme. Racisme sur 20, les gars. Ah, j'ai perdu un peu d'image. Oh, c'est pas propre ça. Bon, ouais. Ah mince, mon Yamaji est pas équipé depuis tout à l'heure. Oh, je fais des bêtises moi. Et depuis tout à l'heure, je gagne. Enfin, oui, y a pas de logique, mais ça, c'est qu'un détail, tu vois. Ça, tu connais. Ah, tu m'étonnes, regarde son chat, comment je galère. Ça va, quand même réussi à bien tanker. Et je dois enchaîner chaque victoire avec un Yamaji non stuffé, ouais. Ah, on est pas mal, hein. Pas mal dans le niveau de débilité, là. Hop. Petit chapi. Ah, et le Goldo. Je cherchais le Goldo. Ok, tout est bon. Là maintenant, on va pouvoir les bien les démonter là.
pense que c'est Twitch. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il fonctionne pas le chat, donc bon. Alors on est trois apparemment. Bon. Faut parler. Allez-y, parlez dans le chat là vite fait. Ah que coucou sur Ender. Salut sur Ender. Ah si c'est bon, ça marche sur sur Streamlab, c'est bon. Comment ça va sur Ender? Wesh ou batch, bien ou quoi? T'es en salle d'attente là-bas au batch ou pas? Mais t'es pas en cours d'ailleurs au batch? Ah c'est vrai, oui, t'as pas trouvé de stage. Laisse-moi le temps. Ouais non mais je sais pas, depuis tout à l'heure s'il me disait 3 spectateurs alors qu'il y avait personne, enfin... Ouais, c'est un peu chelou. Enfin, si vous voulez venir VOC, hein, mettez-vous en salle d'attente, je vous déplace. Enfin, sur Render, lui, il peut venir direct, mais bon. Voilà, quoi. Oula, ma capture est complètement buggée, là. Attendez. Je viens de voir sur le rendu. Pourquoi ma capture est buggée Est-ce qu'on comme ça? m'entend bien? Oh, oui. Bonjour sur Render. Ah, on entend même très fort. Effectivement, très très fort. J'ai baissé ton son un peu. Vas-y, reparle là. Parce que là, c'est bon. Oh, je t'ai baissé de moitié, ça, je t'entends encore masse fort. Je t'ai mis à 25% tellement ton micro il est fort. Ah, merde. Là, c'est mieux. Là, ça me casse moins les oreilles, tu vois. Pourtant, Ah, attends, j'ai baissé. du coup, j'enlève le retour, sinon je m'entends deux fois. Ouais. Attends, j'ai ma capture qui est buggée. Propriété. Je vais juste changer vite fait. Alors. Du coup, est-ce que ça va? Bah ça va et toi? Bah oui. Oui. Ok, non, ma capture est Du coup, il complètement y a full bug. eu batch aussi. Est-ce que ça va? De quoi? Ah oui, tu parles de Oubatch dans le chat, d'accord, ok. Ah, je sais pas pourquoi ma capture là elle est buggée sur le côté. Oh. Bon, c'est simple, hop. Voilà, ça plus vite. Ah, il t'a dit ouais, et toi? Du coup, oui. Oui, on profite, on glande un peu. À ce point-là. Ah bah oui, attends. Ah, ça va mieux là. Du coup, Capture revenu. ça fait quoi là? Là, ça Ça fait les fermait. battles ensuite. Après, ça va faire du reishi, je pense. Ou peut-être l'assaut des Shinigami pour invoquer un petit peu les tickets. Ah, ouais, ça pourrait être intéressant ça. J'ai fait ça ce matin. Ouais, t'as droppé? Malheureusement, non. Ah, dommage. Mais bon, j'ai fait avec les orbes, j'ai fait une solo sur la brave sélection. Puis je me dis, bah ça va, j'ai un perso sur trois de la brave sélection. Ouais. Si on chope pas, ça devrait aller. Bah, le seul doublon. Ah bah, la base. Oh, mais ça va, c'est le Kenpachi rouge, donc bon, Oui, c'est pas le plus dégueu. c'est un bon doublon, quoi. Voilà. Un bon petit dégât subi, quoi. Yes. Du coup, P2. Ouais. Merde. Ah, tu l'as mis SP2 du coup. Non, non, il est encore en 5 étoiles, mais. De Ah oui. toute façon, ça rien le garder, j'ai déjà tous les. Oui, c'est à tout. Il y a pas mal de links. Donc... Ah, moi, sur les assauts des Shinigami, j'y vais avec ma team PVP, ça va plus vite. Ouais, Pour c'est plus rapide. les premiers et les autres, après, ça finit pas en 1 minute 30, du coup, je suis obligé de prendre un perso qui, tu vois. Non mais c'est en 4 minutes je crois déjà les normaux. Oui, bah les 4 minutes, c'est easy, tu vois. Ça j'ai même pas fait gaffe si j'avais fait en moins d'une minute trente. C'est une minute trente ou 2 minutes ou Je crois que... plus. Non, je crois que c'est 2 minutes. 1 minute 30, ça ferait peu. Enfin, c'est Enfin je faisable, fallais voir. mais... Oui. Alors, c'est en 3 minutes. Ah ouais, putain on était loin. 3 minutes, genre les plus gros? Bah Les le plus petit éveillés? du coup, le plus petit temps que tu dois faire en éveillé, c'est 3 minutes. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'es loin en fait. En fait, c'est Bah ouais, peut-être moi je chaud de pensais passer que en 1 minute c'était. 30. C'est peut-être chaud en fait, hein. C'est peut-être un peu avancé en mode. Ouais, 1 minute 30. Du coup, il devrait rehausser ça. Enfin, mettre à 2 minutes 30, tu vois. Mais... C'est déjà bien. Ouais, même 2 minutes, je pense.
ceux qui auront. Après, c'est un éveillé, c'était pas censé être facile pour tout le monde, quoi. Ouais. Après, peut-être faire une difficulté au-dessus, genre avec un ticket 5 étoiles à la clé, quoi, ou un truc comme ça. 5 étoiles, tu veux mettre Caleb en sueur ou quoi? Bah attends, On il dirait que drop tu des n'arrives 5 pas à étoiles un peu nous lâcher partout. des. On dirait que tu n'arrives pas à nous lâcher des 4, 5, des 5 étoiles dans les tickets 4-5 et BBF. Alors si en plus il doit nous mettre des tickets 5 étoiles. Bah après, c'est un 3% de chance, hein, de toute façon, hein. Tu vas pas dropper comme Ouais ça, mais hein. bon. Bon, je suis à plus de 80 tickets sans rien là, je commence à désespérer un peu. De quoi, Brave Soul? Ouais. Ah ouais, moi aussi ça fait longtemps que j'ai pas droppé. J'ai droppé la dernière fois dans un premium, tu sais, ça fait une bonne caille rouge, c'est tout. Ah oui, bah là il y en a une, non? Jour 200 jours. Je crois, ouais. Et là, bientôt il y a les 3 académies qui viennent, là, en résumé, vu que j'ai les 3, impeccable, parfait. Oh! Je me mets bien. Ça te fait 75, 150, 225. 225? Ouais, Oh, t'as ça. bien presque une multi? Ah bah, on est là. Non, mais j'ai calculé Vas-y, hier pour Ipo à. aider et tout si tu veux, J'ai. en fin de mois. C'est surtout Grimmjow que je vais taper. Ah ouais? Ouais. Parce que c'est le seul qui me manque du portail. Ah oui, bah oui. Et vu que c'est mon perso préféré, forcément. Forcément, je vais taper dessus. Sauf que sur le 3%, c'est le seul que j'ai pas. Parce que Isshin bleu et Wonderwise, je les ai. Ah oui. Donc ça va être un peu chaud. Si c'est un 5 étoiles, bah j'ai une chance sur 3 quoi de tomber sur le bon quoi. J'ai les trois bannières, ouais, mais bah tu voilà quoi, il y en a. Ouais, sauf que Bon, t'as pas sinon les Ikone deux, hein, j'en ai quoi. deux sur trois. Ah, ou bah tu t'as réussi à tomber Ikone en fait? Bah oui, s'il a les trois bannières. Oui, ça veut dire qu'il a droppé sur le 3%, bah GG. GG ça, Comme quoi, il y en a un. franchement. Hein. Voilà, quand il y en a, T'as mis combien d'armes du ils coup, ont Batch, tout, hein. pour l'avoir? Juste pour qu'on rigole, tu vois. Enfin, je crois qu'il va nous sortir. Ouais, Ah, les 25, trois. 25, ok. Et juste pour Ikone, mais pour toute la bannière, t'as mis 1250. combien? Pour toute la bannière, il a mis Toute la bannière? 1500. Il a mis 1500 pour toute la bannière. Hein, parce qu'il a fait une multi, il a droppé Grimmjow et Nelial. Hein. Ah oui. Ah, il s'est pas embêté. J'ai mis 2250. J'ai mis 2500. Mais j'avais déjà droppé Ikone et Nelial en 2000. Oh, en 1000, pardon. Oui, voilà. Bon, après, ça. Toi, tu oui, ce Glimjo, t'as continué. Ouais, bah oui, et puis il y avait Toshiro TT que j'avais pas, et puis Renji TT. Avec Toshiro TT, Mais il il est bon, mais bon, manquait. je l'ai pas Bah, droppé. les trois bannières et Renji Tete aussi. Du coup, 2250, j'ai eu. Nel, Ikone, Soifon, Yukio, Renji TT, et le sixième c'est Shuei TT. Bah moi, le seul filler que j'ai eu, tu vois, bah c'est Siphon, alors que je l'avais déjà spé 5. Du coup, ça me fait une Siphon spé 3 en deuxième. Ouais, on est là. Comme quoi, Pourquoi ça drop là? On remonte la connexion. J'aime pas quand ça drop. C'est chiant. personnel à mon avis. Ouais, je pense. Attends, lâche l'alerte box. Ah putain. Comment je la Bon, du désexécute? coup, moi j'essaie d'avoir des idées pour les raids de Kelab. Envoyer quelques propositions. Comment ça les règles de Kalab? Les raids qui devaient sortir là. Ouais, mais on a, tu sais qu'il y a eu du data mining là. Ah bon? Oui, attends, attends, attends. Je vais t'ouvrir ça sur le live, attends. Ouba, tu m'as envoyé ça hier là. Après, ça reste du data mining, c'est pas forcément fiable, mais bon, Ah, si, 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 déjà si, je il y a sais pas mal qui. d'images là. Franchement, il y a pas mal d'images. Hop, pour-moi ça là. Attends, je te fais une capture de fenêtre en même temps. Vas-y. Capture de fenêtre ici. Ajouter la source. Mais c'était quand ça, qu'ils ont mis ça? Je crois que Ubachi il a trouvé ça hier. Alors elle est où? Database. Ah c'est ça. Oui d'accord, mais ça sert bien que tu m'affiches Chrome du coup. Est-ce que ça l'affiche là, au-dessus? Ça l'a affiché pendant un moment ou pas? Non, ça fait un gros truc noir. Non. Non, sur la transition ça fait un gros truc noir, attends. Propriété. Moi, je suis pas trop fan du data mining, je préfère attendre que ça sorte officiellement, mais bon.
Ouais, mais bon, après, t'as des infos, quoi. Oui, voilà, on va dire t'as des infos en avant-première, quoi, mais c'est pas spécialement. La plupart du temps, c'est vrai, mais on sait Alors, je sais jamais. pas T'es là, tu pourquoi, sais. mais il veut pas. Ça me fait un écran noir. Il veut pas que je montre la fenêtre Google. Tant pis. Pas grave. Bon, du coup, tu m'expliques. Attends, ouais, attends, je vais t'ouvrir. Bah, putain, faut que je trouve la fenêtre du coup. Je vais supprimer le truc que je viens de créer. Bon, pire, attends, au pire, je t'envoie le lien, ça va plus vite. Oui, au pire. Copier le lien. Alors, Surrender, je t'ai même pas en. Je te cherche sur Discord. Surrender, t'es là. Hop, c'est envoyé. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit pas mal de choses. Alors, 5 heures signifie que la base de données a également été mise à jour, rejoignant des tonnes de cadeaux, depuis créé, des familiers, et pinceaux, changements trouvés à la base de données. Alors, ajout à la table. Hein? Ah, si tu traduis avec Google Traduction, tu vas t'es pas sorti de l'auberge. Hein. Ouais, c'est affiché l'original. Vaut mieux que tu essayes de faire tes propres traductions, ça ira plus vite. Déjà, il va y avoir plusieurs familiers. Tu peux équiper sur ton perso. C'est assez. Ça donne des stats aléatoires apparemment et t'as une stat que tu peux changer un peu comme les objets. Donc bon. Les attaques jaunes mettront des stat en mettant des changements de statut. Ouais, je sais. Ah oui, sur les raids, oui. Et les murs aussi. Genre, tu peux avoir weakness, genre, ça peut être paralysé, ça peut. Enfin. Ça va être encore plus du compliqué, je crois. Ils vont encore rehausser le niveau. Les statuts, les changements de statut, ça va pas changer. Non. Du tout, ça a rien changé. Lacération. Lacération de quoi? Le nouveau skill, lacération Oui. des persos. Ouais. Je sais pas, j'ai pas fait gaffe ça par contre. Après j'ai pas tout lu, tout lu, tu vois. Ça, ils disent que ça va être plus utile que les autres. Bah oui, forcément, il va peut-être bloquer une attaque ou un truc comme ça. On sait jamais. Deux nouveaux boss, deux nouvelles attaques de boss ont été ajoutées. Ah. Va falloir se reposer sur les lauriers alors. Des obstacles ont été mis. Et apparemment, maintenant, le Ménos, il va envoyer des mobs. Hein. Il va envoyer des petits Oui, houlots et tout. Simon support. Tout, 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 tout. Ouais. Donc bon, on verra bien. Alors. Putain, mon Ononana, elle a galéré sur un pauvre mob là. Donc les familiers donneront des effets qu'en Epic Raid. Ouais, donc bon, ça va pas servir à grand chose en vrai. Du coup, il y aura aussi un sous-trait avec attaque, endurance, pression. De toute façon, on verra bien quand ça va sortir, surtout. Ouais. En tout cas, il reste sur trois niveaux, quoi, pour l'instant. Bah ouais. Bah déjà, le dernier niveau, il est assez chaud. Moi, perso, Une fois que je. t'as compris, une fois que t'as compris les trucs, ça va assez vite. Ouais. J'ai jamais tenté le dernier niveau. J'ai toujours été à l'intermédiaire, j'ai réussi. Mais Bah, toi, à mon avis, ce qui aurait été le plus simple, c'est avec Tchad, quoi. Avec Tchad, tu prends 6 Tchad. ouais, tu m'étonnes. Tu te boostes tout le temps, tu le défonces quoi. On avait fait quoi? On avait fait aussi avec 5 Unohana et un boost. Ouais. C'était genre tout le monde, bah dès qu'on prenait un peu de dégâts, tout le monde se soignait. Ouais. Et il y avait. Moi j'avais Mashiro en full temps de recharge, tueuse holo. Ouais, Et normal. elle mettait du boost tout le temps. D'accord, ouais. Donc je te raconte pas comment c'était full débile. Ouais, tu m'étonnes. Full bourrin. Bah, c'est comme si tu mettais full Yama avec un boost, hein.
la même chose, tu vois. C'est débile. D'ailleurs, là, ce qu'ils ont fait. Yo, début Salut, public. famille. Du coup, là, ce qu'ils ont fait, c'est, j'ai vu ça tout à l'heure parce que j'ai fait un compte avec où je stocke des tickets. Puis je Ouais. regardais les raids. Et puis je me dis, bah, tiens, c'est. Avant, il fallait faire deuxième étape du mode histoire. Maintenant, ils ont changé, ils ont mis grade 30 Ouais, grade 30 minimum. mi minimum. Ah ouais? Là, je peux te dire, ceux qui allaient en mode là-bas, oh ah, bah, ils vont devoir être motivés, hein, parce que là, pour atteindre le grade 30. Et encore, atteindre le grade 30 avant de se faire ban, quoi. C'est ça. Les gars, je connaissais un qui mode. En fait, faut d'abord Juste. créer le compte sans modder dessus, tu montes, et après tu modes. Je pense que ça Ah, mais aussi. bon, si c'est. Ouais, mais bon, tu t'es tellement grillé. Ouais, bah ouais, faut que tu sois déter. De toute façon, ils vont grave surveiller. Hein. Ah, c'est pas grave, DB Family, Bah, c'est pas bien. là, ça va être assez chaud, là. Bah, de toute façon, ils vont grave surveiller au début, hein, forcément. Les gens, ils vont faire. Attends, ça vient de sortir. On va modder. Quel Quoique. âme ils vont faire? Non, 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 toi, tu dégages. Bah, la dernière fois, quand il y en avait des modes, on rejoignait, voilà quoi. Il n'y a pas eu plus Qui de va suivi que ça. Hein. full dégâts subis ou full attaque? Full attaque? Full nade? En raid? Ouais. Bon, quand tu connais pas trop, tu vas en dégâts réduits. Après, une fois que tu connais, tu vas en full nade. Ouais. Ouais, faut connaître d'abord les Oui, étapes. bah, il m'arrivait de faire des runs où, genre, le seul dégât que je me prenais, tu sais, c'est quand il te paralyse et il te met un dégât Ah oui, ouais. sur la troisième phase. Oui. Oui, c'est le seul truc que C'est le seul tu. moment où je me prenais des dégâts des fois dans les coops, mais à Oui, part de toute ça, façon, une fois que t'as compris. t'es obligé de te prendre un dégât là-dessus. Dans tous les cas. Ouais. Bah, ça va, il te fait un. Tu vas pas mourir, quoi. Non, ça va. Sauf s'il te reste un. Ouais. Là, t'as le seum, c'est tout. Ah, de ouf, là, t'es pas bien. Mais en vrai, il faut des personnades pour aller là-bas. Ouais, full C'est nade. limite, c'est comme du battle. C'est comme quand t'es orange, full sous ATT, c'est bon, tu bourrines. Tu bombardes, tu fais que ça. Pas spécialement, tu vas en Komamura des Milan hein, parce qu'il a attaque normale x2. Shui, il a pas attaque normale x2. Ouais, mais je l'ai pas, hein. Donc, ok. Oui. Après, il y a qui? Il y a le. Non, Ichigo, mais t'es même là? le. Il attaque x2 sur normal. Non, non. Non, non, y a le seul distance qui attaque x2 en nade, c'est l'Ichigo vert des Milan. J'ai vu un Sinon, Chappie t'as dans le rouge. le. T'as un ticket. Putain, bien joué, Demi Family. Oh, T-Gold, bien! T-Gold, ou Batch. C'est comme dame, mais la plupart des gens auront la flemme de monter contre en 30 pour modder, sauf si les Contre en récompenses sont vraiment 30. bien, j'avoue. Bah, tu gagnes que des orbes, hein. Enfin, non, mais il Avec parle les grades. sur les raids. Les récompenses, si elles sont ouf. Ah! Ouais, mais bon, est-ce que ça vaut le coup de faire ce que tu dois faire les trois missions d'entraînement là, où tu gagnes le ticket 5 étoiles à la fin. Ouais, j'avoue. Si tu drops un truc de ouf. Ensuite, t'as les accessoires à monter, les trucs, non, tu te fais chier. Bah, en gros, t'en as pour 2 semaines, quoi. Enfin, et encore. Comment on mode sur Bleach? Bah bon, on m'a dit qu'il fallait mettre un émulateur et télécharger. Bah, c'est le mieux. Parce que. Bah c'est ce qu'on a dit, après on m'a dit on pouvait faire sur tout. Après, faut pas que tu modes Sur avec ton téléphone, sur compte. Faut tablette. que tu modes avec un autre compte et après tu rejoins un coop. Sinon, bah, tu te fais ban. Si tu te fais ban l'autre compte, tu t'en fous, c'est pas le tien. C'est le compte mode, donc bon. Bon, crois-moi, avec tous les streamers et toutes les personnes qu'il y a. Et les mods, ils servent à quoi? Bah, aller plus vite. En fait, tu one-shot tout. C'est simple. C'est juste un. Pour moi, ceux qui modent, je vois juste ça comme un gain de temps. Bah ouais. C'est surtout si bah, des fois la plupart du temps c'est les gens qui soit ils ont pas le temps de faire les popos les choses comme ça, bah soit c'est des connards. Parce que crois-moi, avec toutes les personnes qu'il y a sur Twitch et sur YouTube et même avec les guildes maintenant, les groupes, tu fermes tellement. Moi, je me rappelle, j'allais chez Yelou. Ouais. Ensuite, j'enchaînais avec
un autre streamer YouTube. Mmh. Ensuite, j'enchaînais avec des Anglais. Ouais. Genre, je finissais à 3-4 heures du matin. Et après, le lendemain matin, le gars, vers 7h, 8h, le français, il reprenait les streams YouTube et je retournais. D'accord, ok. Faut entendre dire, il y avait des semaines où c'était du. Bah, on va dire. Je faisais du 2000. Bon, 1500-2000. Sans mode, tu veux dire? Oui, dans une journée. Sans... 1200 popos, oui, 1500-2000 potions. Oui, sans mode. Non, oui, sans mode, oui. Oui, parce que oui. Parce qu'avec mode, tu te retrouves à 4000 ou 5000, quoi. J'ai eu un mec, il a fait. Salut, Taco. Il a fait 18 heures. Salut, Taco. Il a fait 18 heures de mode. Ouais. Il a fait 3500 potions, je crois, comme ça. Oh, c'est pas énorme, hein. Bah. Ça reste plus que. Oui. Plus qu'en normal, hein. C'est sûr. Bah heureusement d'ailleurs, sinon, ouais. ça servira à rien. Oui, voilà. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Bientôt, ils vont nous interdire les popos avant le grade 30, on va voir flou. Bon, ça vaut parce que les potions, on a pas spécialement besoin pour à partir du grade 47 pour monter. Mais bah oui. Donc bon, tu t'en fous un petit peu. De fou. Et puis, il te reste les solos. Hein. Aussi. Je regarde Fairy Tail, le dernier épisode et Magic Saras. J'ai pas regardé le dernier épisode perso. J'ai pas encore regardé. Moi j'ai regardé en scan mais en il est sorti hier. En animé ça, enfin, ça me tente pas. J'ai pas regardé. J'ai déjà vu donc. Je sais qu'aujourd'hui il y a l'épisode de Black Clover aussi. Que j'avais regardé mais j'ai pas taco, encore. Taco. Bah ça va tranquille. Ça va super, t'as quoi. Oui, mais après, tu dois forcément avoir des tutos sur YouTube, enfin, Family. En fait, si tu veux, l'appli, c'est une appli déjà avec le mode dessus. Directement. Enfin, ça marche que sur Android, hein. Ça marche pas sur iOS, forcément. C'est uniquement des APK. APK, si tu veux, c'est... C'est un peu comme .exe, tu vois, c'est le fichier, c'est les noms des fichiers pour installer le logiciel, quoi. Je sais même pas. Bah, tu te coucheras moins con, que tu te dises. Non ? Comment s'appelle l'appli ? Ça fait comment l'appli ? Ah ça, on donne pas les liens. Mais à mon avis, tape sur Google, tu trouveras... Très facilement ce que tu penses, hein. Oui, parce oui. Que tu cherches. Tu tapes juste BBS mode, je pense que ça passe. Putain, ton Aizen à droite là, il me le faut, le bleu régénération. Le Aizen à droite. Le déchaîné. Ah. Ok. Pour ma Inamori. D'accord. Attends, pourquoi j'ai eu trop de persos là d'un coup? Ok, je sais pas compris. Ah, attends, il y a le filtre, ok. Je me suis dit, merde, il manque des persos aussi là-bas. Non, mais vends pas, monte l'anime de ton Mayuri. Quel Mayuri? Bah, le 5 étoiles violet que t'as eu. Ça se montrera plus tard, t'inquiète pas. Hein. Ouais, c'est pour toi, hein. C'est bon, 123 millions, je pense pas que t'aies besoin de 15. Je vois pas de quoi tu parles. C'est rien, 123 millions. Tu m'invoques pas sur Genpachi Rouge? Non, je m'invoque pas. Je garde mes ors pour Game Show. Puis après, j'ai déjà quand même déjà une team assez solide avec Yamaji, Chad et Unona. Oui, ça reste correct. Certes, Yama maintenant, et du coup, il se fait des mondes par Kenny, mais bon. Ouais, il gère quand même les Chad, hein. Ah oui, il gère très très bien les Chad, même. Hein. Donc, c'est suffisant quoi. Moi je sais que le Tchad, je mets des tartes, hein. T'inquiète pas, il revient pas deux fois. Hein. Le seul truc qui est chiant, c'est quand il me tase ma Unohana, je suis en mode. T'es pas sur sa lane, pourquoi tu me tases? Non, le pire c'est le Kenpachi. Le Kenpachi, mais quand il fait ça, se trompe, toi t'as l'impression que ça touche tout le monde. Eh bah oui. Et puis même quand il laisse son vortex autour de lui, oh, c'est chiant. Oh. Il t'infinisse dans. Oh, les Unohana, je me fais tellement plaisir à les weakness. Ouais.
Après ça va, moi Mais je même en joue en Kabutops, affinité c'est de contre moins. Kabutops. Hein. Ah oui. Ça, t'as deux vortex, c'est un vrai bordel. Au moins, ça un seul avantage, c'est si t'as un E-Watch et qu'il proc dessus. Aussi, ouais. Là, sous le bombe, elle fait un dégât. Mais bon, le but, c'est quand même de tuer E-Watch avant qu'il ait la sous le bombe. Oui. Bah tout à l'heure j'ai fait un PVP là juste avant de commencer le live. Et puis Ouais. E-Watch il me bombe. Mon Chad reste en vie. Son E-Watch il est complètement tout pété hein, le mec. Hein. Genre il me faisait zéro dégâts alors j'étais en weakness sur mon Chad. Alors qu'il a un seul Lick Kadis tu vois. Ouais. Les deux autres c'est des dégâts subis moins 20 parce que j'ai pas. Faut que je monte la Nel et puis j'ai pas ma Shiro. Et du coup. Après il y a mon Chad qui prend l'aspect. Je le paralyse, je fous deux tartes, il est mort. C'est bon. Ça dégage. Ah oui, non, mais il y en a. Moi, le mien, faudrait que je finisse de... Je crois qu'il me manque un Link Orange. Je suis pas sûr. Un Link Orange, ouais. Sur quoi? En DR pour le E-Watch. Ah, ok. Bah, il y a Grimmjow Parce en que j'ai revanche. le... J'ai Grimmjow. Ouais. Il y a qui d'autre? J'ai pas Kusaka. le Hokitake. Lequel Et Hokitake? qui? Le orange. Le Kamehameha? Oui, peut-être. Sur sa Je spé, l'ai là. pas. Je Bon, sais je même plus crois que je c'est quel parce l'ai. que je l'ai pas. Et il y a Kusaka aussi en dégâts réduits. Je l'ai pas. J'ai Tsukishima. Tsukishima. J'en ai deux. Ah, le orange. Ah oui, c'est un dégât subi, c'est vrai. Bon, en fait, si, moi j'ai 3 dégâts subis orange. Mais bon. Mais j'ai pas de PVP orange, donc bon. De toute façon, ça sert à quoi? Il va se faire démonter par Unohana, donc bon. Oui, bon, après, voilà quoi. Pour l'instant, il n'y a aucun très très bon PVP qui peut counter Unohana. Hein. Quand tu regardes. Bah, Kenpachi, il peut faire le taf avec le weakness, hein, clairement. Oui, s'il arrive à le proc, sinon il se fait démonter. Hein. Oui, non, mais oui, ça, on est bien d'accord. Forcément. Mais quoique la Unohana prend aussi cher, hein, il se fait Oui! défoncer, Oui, mais il se démonte eux-mêmes, après. mais sauf que vu que Unohana sur une strong, elle a un soin, voilà quoi. Oui. Mais heureusement que ce Kenpachi a le weakness contre la Unohana, parce que sinon il se fait ouvrir en deux à chaque fois. Ah bah ça c'est sûr. Heureusement que Unohana a pas le weakness, sinon elle aurait ouvert tout le monde depuis un long moment. En fait, bah. Déjà, et là, tu sais qu'ils ont essayé de counter un peu E-Watch avec la résurrection d'Isshin là. Moins 55% d'altération de paralysie. Oui. Ils ont essayé de counter le Chad un peu et le E-Watch. Hein. Le Tchad? Oui, le Chad, il paralyse aussi. Ah oh, mais c'est plus rare déjà. Oui, mais E-Watch aussi, dans tous les cas, il paralyse. Les deux, il paralyse, donc bon, ça counter un peu. E-Watch, j'ai quand même plus l'impression qu'il paralyse que Chad. Hein. Bah après, voilà, c'est 2% de chance, quoi. Et il faudrait vraiment que je chope celui-ci un de ces jours. Isshin violet? Ouais, Mais il il me était manque un en. Link en plus. Il était un en pack. Mais j'ai pas pris de pack. Faut prendre des packs. Eh oui, mais bon, est-ce qu'il... Oui, mais il était pas pendant qu'il était en résu. Oui, certes. Mais moi je l'ai pris parce qu'il me manquait un link sur Unohana quoi. Eh bien oui, mais pas moi. Et bah bravo, c'est du propre. Je te félicite Oui, pas. j'ai ni le... Ah non, il y a le Zayel violet aussi, c'est un DR violet. Zayel violet? Sans résurrection. Je sais pas du tout. Y a un Zayel violet, DR. Je sais pas du tout, franchement. Ça ira plus vite avec Yama là sur le bleu. Peut-être si Oubash le sait, ou Ou quelqu'un dans le Frenemy. chat. Nous aussi. Après, on ira farm des Jurichi juste le temps bah, de faire ça quoi. Oui. Je vais faire le l'event Kaku et tout que j'ai pas fait. Ah ok. Bon ça va 2900 de vie mon Yama, ça va. Oui, Il est il y a pas de quoi faire. tanky, ça va. Bah après Oui, j'ai mais un. son premier nick à Zayel, c'est 11% d'esquive. Ah, Bon c'est bien bah quand même. 11% d'esquive. C'est bien franchement, t'esquives une attaque, ça peut te sauver la vie. Oui, j'ai déjà fait des anciennes Jureshi, je crois.
C'était des capitaines verts. J'ai 500 tickets PVP et Ligue 10. J'en ai 300 en Ligue 4. Hein. Et qu'est-ce que j'allais dire? Je sais pas. J'ai oublié. Ah bah bravo. Oui, j'avais Barragan et j'arrivais à proc du 11% d'esquive. Hein. Et bah voilà, donc bon. Oh, ce Barragan, comment il était chiant avant les dégâts réduits. Il était tout le temps joué ce Barragan, truc de ouf. Le petit rouge là. C'est que il y a un étage de la tour des dangers, bah celui avec le 11. C'est le 11. C'est le 11. Et comment il roule sur cet étage? Oui, bah en plus surtout c'est strong à vont aller tellement loin les boss. Donc du coup tu te prends jamais un coup en fait. Plus son mini vortex. Oh lolo lolo. Oui oui, franchement. Merde, mais qu'est-ce dire que j'avais. C'était chiant avec le Noitora à attendre le vortex. Ah ça c'est sûr. Et là tu découvres ce monstre, tu fais. Oh. Même moi, il était 5 étoiles niveau 1, je l'ai monté 6 étoiles level 200 direct. J'ai vu l'état, j'ai fait. Oh bah regarde toi tu vas monter. En plus il a foulé. Il a un Shumpo mais il a foulé. Du coup il va loin. Ouais. C'est archi bizarre, t'as l'impression de. On dirait un Kenpachi. Kenpachi bleu, mais genre qui va plus loin. C'est ça. Mais en fait, si tu veux, là, Yaoubatch, apparemment, il a testé. Et apparemment, c'est plus rentable avec un DR16 sur Unohana que le Zayal. Oui, mais quand tu as. Quand t'as un Link à 10 et que. Et qu'il t'en manque un, si t'as le Zayal et au lieu de mettre un 16, je pense que c'est quand même mieux pour les stats. Je sais pas du tout. Parce que moi là j'ai mis un Mayuri rouge DR20, mais si j'ai le Zayel, clairement je pense qu'avec le gain de stats. Il y a peut-être moyen, ouais, je sais pas. Faut voir après, faut tester. Hein. Oui, oui. Parce que gagner un peu de vie, un peu d'attaque. Y a que mon chat qui pue un peu la merde niveau stuff, faut vraiment que j'améliore mon stuff bleu. Parce que je crois que j'ai à peine plus 700 en attaque, donc bon, j'ai même pas 100% je crois. Ouais, le Tchad aussi, pour moi. Mais bon, c'est quand même le taf, donc ouais, je ouais, me dis. Franchement, il tient le taf aussi. Hein. Tu vois, il a juste un Link à 10, il a Broken dessus, donc bon, ça va. Mikey a Broken, Shinji et Nel Enfant, des battles. Moi j'ai pas Nel, j'ai pas Shinji, je veux dire, et j'ai pas Mashiro, du coup, bah il me manque un Link. Donc je dirais pas non à dropper un des deux. Ouais. Bah, plus le Shinji à mon avis, parce que oui. Même pour l'étage avec Senna, c'est tellement bien. L'étage avec Senna, je le passe avec je sais plus qui. Bon. Tu m'avais dit Wait, je crois. Oui, je crois. Wait. Oui, ouais, Wait. Bah ça passe aussi avec le Vortex. Hein. Après tu mets 3ème Strong dans les dents, ça l'envoie un peu pas loin. Après faut gérer, enfin bref. En fait, faut que tu arrives à affaiblir les boss sur la strong juste avant qu'ils balancent l'aspé. Après, là, t'es tranquille. T'y vas, tu bourrines. Oui, moi, ce que je fais avec Shinji, c'est que je bombe la Senna et après, t'es tranquille. C'est vrai que la Senna, elle est relou. C'est la plus relou, je crois. C'est strong, oh là là, comment j'ai envie de la baffer. Même sa strong 3, elle fait. C'est pratiquement full screen le machin. Et ouais. Ça bombe son ulti, mais elle te touche à l'autre bout de la map. Ouais, ouais. Je crois qu'elle brûle en plus son ulti. Nel, il connaît 500 orbes. Il me reste 4 fillers. Bon, ça va. Mais attends, après, attends, au pire, c'est mieux. Bah, en vrai, t'as eu les bons persos, donc autant garder. Hein. Ouais, tu dis que Grimjo il est mauvais. Je vais te taper, toi. Non mais je dis t'as eu deux du portail en sans forcer donc Ouais. Bon après si t'as qui en filler aussi. Parce que si t'as pas la Soyphone ou t'as pas le show. Voilà si te manque En fait les trois meilleurs fillers c'est Soyphone dans ta box. Soyphone, Toshiro TT et Shuai TT, hein, c'est les trois meilleurs dans la box, dans les fillers.
Ouais, je pense aussi, même si Renji TT est quand même encore utilisable, mais Oui, pendant la un tour peu de danger vieux. quoi. Je veux pas de Grimmjow. Ouais, Bon j'en bah ai. skip hein, skip c'est mieux. Mais du coup, t'as quoi en filler sur les sur les 6? Parce que t'en as deux. On se voit qu'il n'y a pas beaucoup de temps de Sinon, latence sur Twitch, hein. C'est bien. ouais. J'ai pas soit Toshiro, je l'ai eu sa sortie. Il a eu Toshiro à la sortie, il a pas son iPhone. Et du coup, t'en as un deuxième dans tout ça. Yukio, j'ai pas. Il est Tu en troisième. montrais. T'as soit Shuei, soit Zayel. Zayel cancer lui Soit aussi. NGTT. Moi, je l'avais pas à la sortie de Kenpachiru, je l'ai eu trois fois Je l'ai depuis. SP4. Ah oui. Et hier, je sais pas si c'était sur le live quand j'ai invoqué le ticket 5 étoiles. Mais si, t'as eu un vieux perso. Oui, un 5 tuplon. Merci. SP5 du coup le machin, le Joshiro là. Joshiro du sbi Ah là. mais oui, j'étais là. Je m'en serais bien passé hein. C'était pas. Ah non, je crois que c'était Koga que t'as vu. Non, c'est Non, pas non, Koga. je l'ai déjà de toute façon lui aussi. Ah, il a Reggie TT à sa sortie. Il a eu Reggie TT, du coup il manque Shuei TT, il manque Zayel, et il manque Soifon. Et un quatrième, je sais plus c'est lequel. Ouais, donc t'as Toshiro et Renji. Bon, en vrai, vu ce que t'as, autant mettre une ulti sur la brave Souls que. Brave Sélection que sur la bannière. Si tu tombes le Kenpachi, t'es refait. Oh. Bah moi j'ai aucun Mais sur la bannière Brave Sélection en plus. Mais bon. pas plus qu'une multi, parce qu'il y a une autre brave sélection qui ressort. C'est laquelle? Je sais plus. Bah, il est vraiment pété, il connaît hein, quand même. Ouais. Je suis en train de rouler sur l'étage là. Hein. Demain, il y a la brave sélection Kyoraku Orange le NAD. Le Oh, Ikkaku Bankai. nul. Nul, franchement, pour l'instant, elle est nulle la Et build. Cayenne rouge. Il n'y a que Cayenne rouge qui est intéressant dans le truc. Hein. Ikkaku, il est nul. Il est trop lent. Bah après le Kyoraku pour de l'auto, ça peut être sympa. Ouais, et encore. J'espère que c'est même pas un perso que tu vas t'amuser à jouer, donc bon, perso, moi je vois pas l'utilité. Bah personnellement, ça dépend comment tu le stuff, hein. Si t'as déjà des links orange et tout, en attaque normale, il y a moyen qu'il soit plutôt pas mal. En plus, imaginons t'as un perso qui régène 25% de l'endu par zone. Ouais. Franchement, le perso il devient vite jouable en auto et tout. 1 minute 19 avec il connaît le truc Ah, éveillé. Kayen, tu l'as eu! Ah bah oui, bah, t'as besoin de pull sur celle-là. Bah peut-être fait. Si t'as de quoi faire une ou deux multi sur la brave sélection qui est là, avec Kenpachi, Lupi et Komamura, faisons peut-être une. Fucking téléphone. Attends, on est mardi aujourd'hui. Il va falloir que j'aille farmer les Ichigo. Pour la Nelliel. Je suis pas équipé de perso spé, super. Allons-y. Ah, il me faut un violet. On va prendre qui en violet? Tueur Shinigami. Bah attends. Ça finit d'appeler. Ichigo, il est. Il est tueur Shin. Shinigami, oui. Non, mais il est tueur Shinigami. Alors, attends, je vais te dire ça. C'est lequel? C'est 5 étoiles ou 4 étoiles? De coup, non, mais non. Le Ichigo violet Bankai, il est tueur Shinigami, oui. Ah! Je pensais que tu parlais de celui du raid. Non, 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 là je suis en train de stuffer pour. Bon, allez, on va jouer Et Golden oui, Lucky. Pequeño, si t'as eu Cayenne. Bah, déjà, t'es refait. J'avoue. Un bon temps de recharge rouge. Ah, mais je crois savoir pourquoi j'ai torché le truc et pourquoi je faisais autant de dégâts. Je crois que j'avais un Senkaizen sur mon. Sur les connais? Ouais.
Vu qu'il a Est-ce un que link les à 5. stuffs, moi, ils connaissent? Vu qu'il a un link à 5, du coup, je crois que je l'avais laissé dessus, je sais pas pourquoi. Et je crois qu'il avait qu'un seul link en plus, celui qu'il connaît, hein. Pour faire une minute et quelques là. Attends, je vais aller le stuff aussi. Moi, il connaît. Je crois, je suis pas sûr. Ouais, j'avais qu'un seul link. J'ai qu'un seul link, je fais une minute 19. D'accord. Alors, tout orange. Il connaît pété, quoi. Ah, franchement, mais oui, j'avais stuff là, Libelle. Il connaît pas le temps de niaiser. Ah, oh, mais à chaque fois, je vais dans les coop là. Ça, c'est l'habitude. Alors, hop. Pas besoin de. Pas besoin d'équipier, on s'en fout. J'ai eu Aizen et Rookie à 3% en 2 multi. Eh bah, ben, tu mets bien. Aizen et Rookie en 3%. C'est quelle bannière ça? En tout cas, GG. Je sais pas c'est quelle bannière, mais. Ok, sans faire exprès, j'ai appuyé trop tôt, tant pis. Ça va, Ikigo, il fait le taf aussi. Oh! Oh, j'ai cru qu'il m'avait paralysé. La chance. Allons-y. Rookie Ascan et Aizen rouge. Ah ok. Enfin, Rookie manga, c'est pas un scan ah, le manga. Oui. Enfin, j'avoue, tout le monde appelle ça des scans alors que c'est une partie du manga quoi, donc bon. Ouais, mais bon. Bon, on va pas poser de questions. Bon, allez, je refais une solo sur la brave sous, allez, je suis un malade. je vais avoir un 3 étoiles, allez. Là, c'est comme moi hier, hein. C'était toi et qui voilà, m'avais forcé bon, en plus, non? Je sais. Oh là là, même pas one shot. Du coup, ça, je me suis rattrapé aujourd'hui. C'est pas propre j'ai ça. Mon deuxième game patchy. Ah, ça finit pas. Je l'ai même adieu pas le, fini. Adieu le 3 étoiles. Je vais devoir recommencer pour le full. Ils connaissent P2 affaiblissement, ça passe. Vas-y, je le fais avec bah connaît oui. Au pire. Xoras, ça passe. Juste Ansen Kaizen, ça passe. Oui. Non, vas-y, c'est trop long les strong à recharger. T'es jamais content. Ouais, grave. Faut arrêter, quand même. Oh, ouais. Des vieux coups là. Putain, les potions rouges là, faut que je mette Neyel 10-10-10. Moi je pense que je vais passer Ikone 10-10-10 parce que franchement Ikone mérite. Oui. Mais parce que j'ai déjà quelques potions rouges, je crois, j'en ai déjà 850. Ah oui. Donc, ah, moi je suis pauvre dans mes potions, je vais dans mes potions là, je suis pauvre. Moi aussi. Et encore, tu sais, bah, il connaît pour coup... lui mettre un link à 5, j'ai usé toutes mes popos arc-en-ciel. Parce que j'avais zéro popo orange. Tu les as eu avec Saikaimon? Non, non, la plupart je les ai eu en popo. Mais oui, il y a une partie avec... Ichigo manga violet, je l'ai trop bien... Il est trop bien son gameplay. Je l'ai pas. Mais à voir, oui, il a l'air sympa avec son petit boost. Bébé. Je fais plus de dégâts avec Ikone qu'avec Ichigo, logique. Merci le Senkaizen. Après, le Ichigo manga vert est très bien aussi. Hein. Ah oui, oui, surtout sur Yadureshi, là, il te démonte les petits boss, là. Il t'envoie des petits 20 000 dans les dents, comme ça. C'est beau. C'est propre, hein. Moi je fais du. Je fais la moitié des dégâts mais je suis en pression donc c'est pour dire à quel point aussi il est cheaté même en pression. Oui bah. Et encore moi j'ai pas triple 10. Il est triple 0. Oui et toi tu l'as pas triple 10. Mais le mien est triple 10, P4. Au boss, 40 000. Il arrive, c'est.
petit 40 000 dans les dents comme ça en un hit, ça passe. Je pense qu'il y a moyen de faire ça. En plus. Non mais tu l'as fait, tu l'as fait la dernière fois. Hein. 40 000 en un hit sur un hit. Ah oui, de l'aspect. L'aspect. Oui, de l'aspect, oui. Bah quand je bombe à l'entrée de la room 1, bah de la room 1 du boss, la première vague, je mets les boss à, en sur la barre rouge. On sort un peu les vieux persos et tout là, tu sais. J'aime bien de temps en temps rééquiper les persos. Ouais. Enfin, vieux perso, tu vois, FlyZ, c'est pas un vieux perso non plus. Tu vois, c'est pas un perso non plus nul. Hein. Il est. Il pour l'âge qu'il a, il est encore très, très jouable. Ah, mais il est jouable de partout, grâce à son boost aussi. Ouais. Perso, je l'ai SP5 triple 10. Oui. Ah, oui, d'accord. Il y en a qui n'ont pas le temps de niaiser. J'ai pas, ah, j'ai pas de rhum, son... je vais sur ce Tsubasa, ça me dégoûte. Ça me quoi? Ça me casse les couilles, ok. Ah mais Tsubasa, j'ai... Bah y'a un streamer qui joue... Déjà, juste pour avoir autant de Dream Ball, tu dois skip tellement de portails, c'est pire que Bleach. Ouais, j'ai vu, en plus les taux de drop à skip, ils sont infâmes là-dessus. Encore sur la globale, il paraît ça c'est moins que sur la Jap. Parce que là, sur la Jap, il paraît c'est encore pire. Ah ouais? Bah, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Après, moi, j'ai pas joué au jeu, mais. J'ai joué au début, genre pour voir ce que ça valait, tu vois. C'est sympa, hein, mais bon, voilà quoi. Mince, c'est pas le bon perso. Ce sera mieux avec lui quand même. Après, j'ai fait toutes les runs là, je les ai fait en Kenpachi. Kenpachi rouge? Ouais, j'ai même pas changé, j'ai fait allez, hop, il gère tout. T'as pas cherché à comprendre. En plus, il weakness sur sa spé, alors les boss, autant dire qu'ils font rien. T'as Aizen rouge qui fait plus de dégâts en corps à corps que le Ichigo Bankai. Oui, bah oui, la base. Aizen le monstre. Exact. Là, son gameplay est tellement bien aussi. La petite room 1 qui dash, le full screen derrière, le petit boost. Que dire de plus? Bah rien, t'apprécies juste. Exactement. Bon, sauf que ça, le PVP c'est trop énervé. Ouais, en plus pour avoir des bonnes récompenses, faut se placer vraiment assez haut. On m'a dit AA et S, truc comme ça. Reviens là la tablette. Bon, le petit one shot ou pas? S'il veut bien lancer l'aspect. Les Dreamfest. Oh oui, le one shot. Tout doublé comme Bleach. Mais le gars, s'il te plaît, une one shot normale. Le petit one shot. C'est pas passe. Des petits dégâts. Hein. C'est pas des petits dégâts que tu mets avec le. Bah, 78 000, hein, c'était parti, c'est tout. Tu m'as donné envie de jouer Flyzen. Mais il est trop bien ce perso. C'est quoi? J'allais le stuff. Tu vas jouer en Jureshi. Si je fais un Jureshi, bah, je stufferai la première. Alors, ouais, tu veux one shot la dernière salle, c'est ça? Je pense qu'il y a moyen. Where is my... Ah bah non, mais ils ont le tueur au lot, j'ai pas intérêt à me faire toucher. Ouais, mais franchement, tu vas prendre tarif si tu te fais toucher. Bon, un petit rouge tueur Shinigami. C'est qui en tueur Shinigami rouge? Kyora, non. Bon, il y a ma petite TT SP3. Ferme-la, ça fait 4000 heures que j'essaie de pull pour lui, je l'ai pas. Mais il est trop pété ce perso. Je sais, c'est pour ça que je le veux. Il est tellement sous-coté. Non, petit accent. Il est pas du tout sous-coté. Non, mais les gens ils le sous-cotent trop. Gros. Il y en a qui disent ouais, il est nul. De quoi? Bah, donne-le moi. Hein. Moi je te le triple 10 dans la journée de qui. De Jureshi. Hein. De potion là, rien à foutre. Mais il est tellement pété. Déjà en triple 0. Je peux pas dire un perso qui est déjà un double killer qu'il est nul. Bah oui. Enfin si, Joshiro il est nul. C'est un double killer Capitaine Holo. Il est nul quand même. Bah après ça dépend. Il est nul. Sur des Rota où t'as des Holo et Shinigami avec des boss capitaine, il y a quand même moyen. Et encore. Enfin, le perso il date après, tellement que... qu'il est tout cassé. C'est pas le premier perso que tu vas user. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Mais... De toute façon... Aucun perso n'est nul.
peut-être qu'ils ont des gameplays bizarres, mais... Si, le con, il est nul. Le con 5 étoiles, là. C'est du... d'il y a 2 ans. Il est nul. Le violet? Oui. Il est pourri. Celui qui tombe sur lui-même en Strong 3, Oui, et tout. C'est celui-là. Non, non il fait un craquage par terre. C'est sa spé. Bah... Hop là, petit Strong 3, ça fait plaisir. Ça dégage. Si je l'avais, je l'aurais joué, hein. Merci. J'envoie des Strong dans le vide. Oh, en plus, ils ont des boucliers, quoi, sérieusement. C'est Yama. Donnez-le moi. Je l'ai spé 3, je t'en donne un. Je l'enlève de la spé puis je te le donne. Ouais, ouais, moi je te file mon Kenpachi rouge que je viens d'avoir. Exactement, voilà, on se fait un échange équitable. Et la servante de Mayuri. Nemu, ça dépend de la version, hein. Il y a des versions qui sont. Oui, il y a des versions qui sont bien. Hein. La subsuite version, elle était bien. Hein. Très bien, mais moi j'adore son ulti. Oui, il est pas mal, c'est vrai. La musique, elle est drôle. Enfin, toi, ouais. Je pense pas que c'est pour la musique que tu l'aimes. Hein. Ah, bien sûr. C'est pour son Karadian avec son petit requin. D'ailleurs, on se demande où est-ce que le rond quand elle est dessus. Hein. Enfin, je dis ça, je dirais. C'est celui-là, oui. En fait, c'est une info au démon, en fait. Bon, c'est sûr, Mayuri, c'est sûr, je le one-shot. SP3, je le one-shot. Même pas bah, clairement. Il reste un PV, quoi, sérieusement. Et bam, tu meurs. Non, je me suis slide. Surtout vu... Ouais, j'aurais pu mourir vu la vie qui me restait. Son gameplay est trop long. Mais la Nemu, bah, tu t'en fous, en plus elle a un soin. Après, je pense qu'il reste toujours plus rentable qu'une Nanao Kakao. Hein. Même si le gameplay est pas nul, mais. Nanao Kakao, c'est un Link. Hein. Je dis ça. Bah, la bombardement. Hein. Oui, mais c'est un Link. Dégâts subis. Bah... C'est tout. C'est vrai que c'est pas le perso que je jouerai le premier, mais je pense que si un jour je passe ma Nel et mon. Franchement, l'un des seuls pressions spibon en violet qui a dégâts subis, c'est Isoru TT. Oui, moi je l'ai triple 10, j'adore son gameplay. Il est excellent. Ça strong 2, mais c'est un délice. Ah oui. Bon, même toutes ses strong, hein. C'est une pépite ce perso aussi. C'est bien, on va pouvoir bientôt invoquer là, c'est la dernière. En avant. Alors, on casse les bouches avec Yakuya. Je vais voir, j'ai alors. J'étais en ami, je crois, sur Ender, sur Bleach, maintenant, puis hier. Je crois. T'es en Viscap, je crois. Alibel Halloween, je vais la jouer en PVP. À Paralys, celle-là. C'est un A-tier, je crois, ou un. Oui, c'est. Oui, à Paralys. Mais c'est un A-tier du PVP. Elle est pas oufissime, mais bon. C'est... Ou B-tier. Bah, peut-être contre des Ultiora, bon, à la limite, mais. Elles sont tueurs. Oui, et encore. Les tours tellement bien se bien aussi là. Oh, j'ai eu les deux autres, j'ai pas eu lui. T'as eu Guin et. Comment il s'appelle l'autre? Et White. White, voilà. White, oh, j'étais tellement content quand je l'ai eu parce que. Les tueurs en quart, j'en avais pas. En orange? Ouais. Le dernier, c'était le Grimjo orange. Donc tu vois que. Ouais, quoi que le Grimjo orange, il fait quand même encore le taf, hein. Bon, commence à être dépassé. Oui. C'est sûr qu'il est jouable, il a un petit vortex. Le vortex trop court. Voilà. Mais il a même pas de stroke full screen à la fin, c'est un. Enfin voilà. Dire qu'à sa sortie, j'ai foutu 4000 orbes dessus et puis je l'ai pas eu. C'est comme la Nanao Kakao, hein, c'est un Link la plupart du temps. Moi, mon record sur Bleach, c'est 4000 orbes sans bannière. Ah oui, sans bannir. Oui. Avec un golden. Attends, un golden quoi? Un golden rouge.
Il l'a dit plus haut dans le chat. Remonte. Ah non, la Alibelle Halloween. Ah, j'ai compris. La Yoruichi Halloween. Ah, autant pour moi. Bah oui, la Alibelle. Elle est Ah, mais du coup, la Alibelle. Ah, bah oui. Bah oui, non, mais la Alibelle, t'es tranquille alors avec. Contre les Yama. Même elle se fait démonter quand même face au Yama. Hein. Bah, la Alibelle, elle prend l'aspect, t'es paralysé toute la game. Hein. Aussi, ouais, mais bon. J'ai déjà perdu en 1v3 à cause d'elle. Hein. Ah ouais? J'avais encore le Kenpachi. J'avais Unohana, Chad et Yama. Bon allez. Et elle était contre mon Yama. Elle one shot. Elle one shot pas, elle tue. Ouais. Elle reprend l'aspect, elle tue ma Unohana. Elle reprend l'aspect, elle tue mon chat. C'était en mode non, mais. Sérieusement? À un moment, ça va quoi. Tu te calmes. Bon, hein, je suis sûr de pas avoir de golden, hein, ça fait un an que j'ai pas eu de golden, donc bon. C'est pas maintenant que ça va arriver. C'est qui? C'est Pekeno qui a eu son golden dans le 5 étoiles? Dans le 4 5 étoiles, ouais, je crois. J'ai jamais eu de golden dans cela, hein. Les seuls golden que j'ai eu, c'était Brave Soul ou 3 5 étoiles. Tu vois, 4 étoiles. Brave Soul et Pekeno. Voilà, je connais, hein, je connais le truc. Du coup, est-ce que c'est un truc genre ça enlève les résistances? Ah non, c'est un Enraku, très bien. Oui, Enraku tout pourri. Super pour Chad. Ah, j'avoue. J'avais pas pensé. Je l'ai en attaque plus 30 sur mon Chad. Faudrait que je le mette, ouais, aussi. Bon, allez. Petite multi-tiki Brave Soul. Allez, le petit 3 étoiles des familles. Full 3 étoiles. Tiens, tu vois? Ouais. Devant, mais moi je l'ai pas. Moi je vois qu'après, moi bon, hop, je viens de voir le 3 étoiles. Ah, il y a quand même un petit décalage. Bon, bah, je dis rien. Peut-être alors. Que j'ai pari flash aussi. Non, mais vas-y, hein. De toute façon, t'en fais pas. Je suis devant aussi. Je savais que t'en aurais pas, mais je l'ai pas dit. Bon, bah voilà. C'est comme là, on savait tous que t'auras un 4 étoiles. Voilà, c'est la base. Bon, à se faire du Jurichi là. Du coup, toi en perso 10-10-10, t'en as un ou t'en as pas? J'en ai un seul, c'est mon Yama. Bon, ça va, Yama. On va dire, c'est mon poulain, tu vois. C'est mon petit poulet. Oui, il fait tellement le taf, même en auto. Oui. Wayaki, il y a Tosh TT, Kisuke Bankai. Ichigo des Milan. Lequel? Yamaji. Ah ouais, mais t'as que des verts, ok, d'accord. Oui, là c'est que les verts. J'ai Blizzard, j'ai Siphon. Ça c'est que les verts. Bon, du coup ensuite, tu voulais créer, non? Ouais. Je finis juste violet. J'ai Toshiro le dernier. J'ai Izuru Tete et El Famoso Unohana. En rouge, Kenpachi, le dernier. Aizen rouge. Rukia Spirit. Ukiura des 3 ans. Laoreime des maillots de bain. Ayashiru des Milan. Ils vont mettre qui, prochain pack personnage, là? Peut-être les 3 académies? Peut-être qu'ils vont mettre les anciens parapluies. Ouais, peut-être. Bah moi j'ai déjà Grimjo, donc bon, tout le reste ça m'intéresse pas. Le seul qui est bon, c'est Ukitake Tete. Ukitake Parasol. Il a un Vortex 25 coups. Ah ouais. Pour les quêtes de groupe. Ou peut-être un Kyoraku qui booste, je crois. Je crois aussi, ouais. Mais bon, ils sont tellement vieux les persos, quoi, ils sont tout cassés. Mais je me rappelle, il y en avait un qui utilisait qui aura coup pour les raids en tant que boost. Je crois que je sais que Grimjo Parasol boost. Parce que je l'ai, level 2. C'était Grimjo Parasol alors. Attends, je vais marquer dans le chat s'il y en a qui veulent rejoindre. 870 679. Je rejoins avant quand même. Yo Fimero, bien ou quoi? Coucou Fimero.
Putain, un peu, j'ai mis des nouvelles notifs, tu sais, au niveau du follow et tout. Personne se follow aujourd'hui. En même temps, il y a que des anciens. Faut dire que t'es... Faut dire que t'es en salle d'attente sur Switch. Vas-y, switch-le. Bonjour. Voilà. Ah, ça va très bien, Fumero. Wesh. Bah, vous t'inquiète pas, pas de soucis. Mais tu voulais pas mettre ton Aizen? Ton Flyzen? Oui, oui, merde, oui. Qu'est-ce que tu fais qui connaît? Et en plus, c'est triple 10, je sais. J'avoue. Dès le premier jour. Si, si. Triple 10, tu regardes, triple 10. Exact. Du coup, il y a Fimero qui arrive, ok. J'avais préparé 2250 pour lui. Il me le fallait. Ah, te deux semaines de farm pour lui. Je te dis direct la semaine prochaine si, si j'ai Grimjo le 26 là. Laisse tomber. Je vais farmer les violettes comme un porc. Rien à foutre. Ah bah tu m'étonnes. Oh. Je l'ai équipé comme n'importe en quoi plus, en fait. Tu vas pouvoir y aller en solo parce qu'il y aura toutes les couleurs pendant toute la. Tout le temps là. Ah ouais? Oui, pendant l'event potion qui arrive du 27 au 6, je crois. Ouais. Il dure plus longtemps que d'habitude. T'auras toutes les potions, toutes les couleurs de potions en solo. En solo, hein. Ah, oui, j'ai eu remarqué et t'as 2 jours supplémentaires de popo en coop. D'accord. Voilà. Ah, c'est sympa, c'est cool. Ouais, du coup, autant dire que en solo comme en coop, ça va bien farmer. Ça va farmer sale. Je pense que c'est surtout pour préparer les raids qui vont arriver. Ouais. Bah ils ont dit que c'était à cause de la Golden Week ou je sais plus quoi. Ah. Et c'était marqué. Et je sais plus sûr. Oh oui, j'ai chopé tout le pack de mobs dans mon vortex là, c'était beau. J'attends un petit peu avant de spé. Je sais pas si je paie non, mais ou pas parce que... Tu veux spé à la fin au pire. Noitra il est pas chiant. Noitra il est pas chiant. Donc que je paie au début ou pas, ça revient pas au même. Ah j'ai pris des dégâts. Bah bravo. Tu joues un Saint Kaizen dessus? J'sais pas. Oui j'ai perdu qu'un seul 20%, ça va. Ouais mais quand même. Reviens là Noitra que je te fous des tartes. Waouh. Ouh mon batch là-bas va pris cher. Bah il s'est fait one shot en gros. Enfin one shot non mais... Attends j'ai 60% d'endurance, j'ai fait un peu con. Bon au pire ce qu'on fait c'est qu'on a un extra, on n'en parle plus. Comme ça moi j'ai récupéré ma vie. Au pire hein. On sait jamais. Hier on a fait, je crois qu'on a fait une vingtaine d'extra. Ah oui. Non une vingtaine de pop. Putain je suis en train de prendre tarif là. Merci l'aspect au batch. Hier on était sur live de Guillaume. Ouais. Et on se dit avec Sherko, si tu vois qui c'est. Il dit ouais vas-y on va aller faire des. Oui tu vois sur le stream de Yellow des fois. Et ouais. On dit vas-y viens on va faire des jours échi. Puis il dit ouais vas-y on y va. On commence à faire un premier jour échi, extra. On fait oh, super. Deuxième jour échi, extra. Okay. On commence à faire bon. Commence à faire un peu beaucoup. Troisième jour échi, extra. Ok. Bon, commence à faire bon. À un moment, on va peut-être se calmer. Quatrième jour échi, on en a pas. On fait bon, bah quand même. Cinquième jour échi, on en a encore un. C'est bon. Je reste pas, c'est bon. Sur 20 jours échi, on a fait 15 extra. Ah, la vie d'Ulcura tombe moins vite. Hein. Forcément, je suis mort. Et oui. Et du coup, on n'a pas d'extra. On va voir. Qu'est-ce que c'est ? Non. Allez, du coup, je perds 20% de dégâts. Bon, il y a moyen que tu one-shot quand même. Hein. Ouais, bute d'abord les Shinigami et après là maintenant. Même pas. T'as one-shot juste le Aaron Hero. Ouais, mais bon, elle est restée à un trait rouge, ça va. Ouais. Pour quelqu'un qui a pas le tueur. Mais bon. Franchement, ça aurait été propre si t'avais one shot les deux. Franchement. Il y a un perso beaucoup plus cheaté que ça.
c'est au Maïda TT, c'est tout. C'est un monstre. Ouais, c'est moi qui crée ça. Le mec, il est en contre-affinité. Et pas le killer, il fait autant de dégâts que l'Aizen SP5. Grave. Du coup, si tu veux créer. Ouais, ouais, je suis en train de créer. 290, 957. Ouais, je vous avantage un petit peu quand même, vous êtes en vocal. 957, pardon. Je mets 947, ça va pas marcher. Non. Allez, j'ai pris mon perso auto du flemmard. Auto du lol. Moi, j'ai pris un vrai perso. Oui. Ça, c'est le perso quand t'as envie d'auto en mode flemme. Juste. Tu slides un petit peu, tu fais des shumpo pour éviter les attaques rouges. Oh, elle est pas montée. Elle est pas... Genre, ce perso, c'est ce qu'on appelle le cancer. Parce que déjà, elle est immunisée au poison. Déjà, t'as fait Miro 4 sur 5 le Tosh. Triple 10 en attaque puissante. Ah, est-ce que c'est moi qui bug sur le Discord? Non, non, on t'entend, moi je t'entends en tout cas. Ouais, moi aussi je t'entends. Moi j'ai pu entendre un siffle pendant un grésillement, je dis c'est peut-être moi. Peut-être quand je coupe mon micro, je sais pas. Ah non, il y a un petit psi. Je sais pas. Ah oui, c'est ça que j'entendais. Donc moi aussi je l'ai. Aïe aïe. Et une j'essaie de kiffer en fait depuis tout à l'heure, je suis pas sur la bonne affinité. Ouh là là. Et mon dieu. Je crois que c'est Oubatch qui fait ça avec son micro. De quoi? Tu fais un petit i mais strident. Mais ça sert à rien. Quand je parle? Ouais. Bah là ça le fait plus là. Ah. Ouais, il parle pas. Bah si là il parle, quand il parle là ça le fait plus. C'est bizarre. Là ça le fait. Là ça le fait. Là ça le refait. Ouais, je viens de voir. Attends, je vais débrancher, rebrancher. Je pense qu'on l'entend pas mal sur le live. Bon alors il manque quelqu'un là. On va pas attendre sans ça. On va pas savoir ce que tu fais avec ton micro au batch. Wow, on se calme. Des choses interdites. On peut pas dire ça en stream. Sinon après je vais devoir le passer. Dites-le moi si ça le refait. Ouais, ouais, t'inquiète. Merde, le code. 290. 957. Yep. De toute façon, on n'est pas pressé. De toute façon, tout le monde a fait ses QG ici. Avant 17h. Oui. Bah, de toute façon, je les fais pas, donc bon. C'est bête, hein. Ça donne plein de bonnes récompenses. Je les ai fait pendant un moment. Bah, j'ai rage-quitté au bout d'un moment, ça m'a saoulé. Ça bosse. Après tu rejoins une guilde random, tu fais quoi? Tu fais une petite quête de groupe, tu vois, tu traces sans faire les points que tu veux, les 177, tu t'en fous. Tu traces, tu fais ton rang S, et puis basta. Qu'est-ce qu'il fout? Ouais. Connexion expirée. Oh, ah, excuse-moi. Oui, je t'avais pas fait gaffe, je regardais autre chose. Ça c'est Mako, c'est rien. C'est mon wifi. Et du coup, Sabos, ça va? De quoi? Bah il y a Sabos sur le Ah live. Oui, salut Sabos. Sabo, je sais pas. Sabo Fire, peut-être. Dis-nous comment ça se prononce. Est-ce qu'on met le S ou pas? J'ai recréé. Hein. En même temps, c'est au bac, là, il met 3 plombs à équiper un perso. Ouais, c'est vrai. Juste pour des links, j'ai bloqué, je me dis 25, il me faut un 25 d'attaque puissante, je vais recharger les mauvaises affinités. Ah bah voilà, t'as pas de place. Pour malaise. Ah si, ou bah tu avais pas vu. Attends, dit-il le gars hier qui m'a fait venir, il a crash, il a ouvert une room, il a dissous le groupe, il a rejoint Yelou. Attends, hier je me suis fait full bolos. J'avoue. Au début c'est ma connexion qui t'a bolos et après c'est moi qui t'a bolos. Oui, la connexion je dis pas. La connexion je dis bon ça arrive. Et le fait, quand j'arrive, tu dissous le groupe et en plus tu rejoins Yelou, là tu te dis bon. Ce troll. Ah, c'était propre quand même. Ça fait chier quoi. Ah, oui, c'était propre pour toi, oui.
Bon allez, on est parti. Bolosser en live, découvrir son histoire. Surrender. Ah, c'est beau d'être Bodo, hein, je te le dis. Oh, je m'en fous, t'es pas Bodo chez moi, donc bon. C'est vrai. Et heureusement, j'aurais fait n'importe quoi. Là, c'est pour ça. Non, en vrai, je suis sûr que t'es quelqu'un de grave sérieux, en vrai. J'avoue, il m'a switch en plein live, tout ça parce que je l'ai bolossé. Bah attends, moi je me venge, hein. Ah, Rokuku, alors du coup, c'est Sabo ou Sabos? Et après, il est peut-être anglais, hein, parce que s'il fait Fun Broken... It's Sabo or Sabos? Your name. C'est anglais de qualité. I'm bilingue. Full bilingue. Aïe, je prends cher. Mais tape Noitra, si voilà. Regarde, oh. Regarde ma vie. Au secours. Bon, ça va. Et là, regarde, on change de room. Tadam, je suis full vie. Quoi, plus 3600, quoi. C'est quoi ça? Oui, oui, j'ai 3100 points de vie, et alors? Qu'est-ce que tu fais? What the fuck? Bah, je suis un gars qui joue en fait en full endurance. Full et cancer. Je suis en mode, bah... Cancer. Bah, en fait, je fais aucun dégât, mais je meurs pas, quoi, en fait. En gros, tu sers à rien, en fait. Bah, si. Je fais des petits dégâts de gratte. J'ai pas envie de jouer. Alors si, je mets un break def. C'est bon, alors... j'ai eu le temps de défoncer le crime. Ça c'est bête d'avoir pété... Oh, extra stage. Oh, bah, allez, profitez. Tapez dans le vide. Hop, ça change ça beaucoup dégage. De gear pour moi. C'était bien, c'était un gros là. Impeccable. Enfin, je crois qu'il y a que des gros. Oh là, et puis toutes les billes. Les gros, c'est quand il y a une sous-bombe. Et un boss. Oui, du coup, il y a un boss, oui. Mais bon, faut la garder, la bombe, hein, quand il y a ça, comme ça, tu clear une room. Quand t'es pression. Ouais. Quand t'es host, quoi. Oui. Et que t'as pas un ad, quoi. Normalement, un host devrait jouer un Toshiro TT. Ouais, bah tu me le donnes, après, on en reparle. Oui, moi j'ai SP3, ça serait avec grand plaisir, mais... Je te file un petit il Yama. Demande à Fimiro, il en a 4. Enfin voilà quoi. Oh non. Le petit one shot qui passe là. Vite. Attends, j'ai failli partir sans prendre les... Ah le malaise. Eh bah GG. Au moins Obachi, il a balancé sa SP. Ah. C'est un vrai quoi. Ah non, j'ai cru. C'est qui a crash? Qui a crash? Fimiro, je crois. Non, Obachi. Non. Fimiro. Ah, si, Fimiro. On va essayer de le protéger. C'est, bon. Ah, bon, c'est crash apparemment. Oh, ce petit rire de Ubach. Oh, c'est moi j'aurais pas aimé. Hein. Bon, on est plus que deux, hein, tranquille. Ah, qui fait pas de dégâts. Et... Ah non, merde, je croyais que c'était moi qui avais crash, putain. Mais non. Parce qu'en fait, vu que je regarde la vue de mon Bayrou, j'ai la vue en rouge. Du coup. Ah non, sinon mon perso ne bougerait pas. Forcément, mon perso il bougerait pas. Bon, ça dégage. De toute façon, moi je peux mourir. Voilà, je suis mort parce que tu bombes et tu gères donc. Si. Et puis je me rattrape pour le Aizen tout à l'heure donc. Tu es mort. Même pas pris un hit. Laisse tomber quoi. Bon, tu crèves toi aussi là. Bon, toi là-bas là. Je te mets dans mon petit vortex là. Tu fais pas de coup. Les nades parties complètement à l'autre bout du monde. J'étais même pas sur sa lane, genre il me fout un coup quoi. J'ai pu entendre un mec qui disait qu'il était full life. J'étais même pas sur sa lane, son corps m'a même pas touché. S'il te plaît. J'ai fini, bah nous aussi hein. Oh. En même temps, si mon Ichigo il était encore en vie, c'est normal que t'as fini. Hein. T'es le mec. Faut s'acheter des connexions, hein. Je dis ça, mais bon, des fois moi aussi je crash. Hein. Hier, c'est pas pareil. Hein. J'ai failli m'étouffer avec ta connerie. Oh là là.
Il faudrait que j'aille vérifier si le jour ici je l'ai fait en solo pour les orbes. Bah, il y a encore 3 jours, t'as le temps. Ah ouais. Bah, ça finit lundi matin. Oui, lundi matin 9h. Putain, j'ai raté tellement d'orbes ce genre de truc. J'ai jamais vérifié si je les avais fait ou non en solo en fait. Bah, tu perds. Tu perds 5-10. 15 orbes. Ouais, mais pour les popos c'était pareil aussi. Attends, je restuff my. My Aizen. My Toshiro. Ah non. Your Toshiro. Yes. My Toshiro SP5 moins que Filmero. Easy solo avec Toshiro TT. Ouais, mais mec, voilà quoi. Double killer quoi. On n'a pas touché Toshiro TT. Non, par contre, Toshiro TT, il y a qu'un seul truc que j'aime pas dessus, c'est sa SP. J'ai l'impression qu'il fait 0 dégâts. Bah ouais. Ouais. Par rapport à Ikone. Beaucoup moins. Ikone c'est un monstre. Hein. Mais t'arrives, il te fout deux bifles. Pour te dire, j'ai l'impression que. Bon, après, mon Aizen est plus vieux, mais il fait beaucoup plus de dégâts que Toshiro. Ouais, je sais pas. Puis t'as deux même... plus. Bon, après. Après, 40% de ça reste plus. Un. Sur ton aspect. Ça reste le Mayuri vert résurrection en tueur à rancard. Ouais. Fait pour être en full Saikaisen, hein. Triple 0, il fait autant de dégâts que Toshiro SP3 Vizizis. Mais bah oui, mais après full Saikaisen, forcément. Mais c'est un Mayuri V1 résurrection SP1. Hein. Et alors, on s'en fout. C'est une Kaizen, c'est tout, point final. Mais bon, de là à battre un triple 10. Et bah bravo, sur Raider, ça se prend un hit à 264. Bah, c'est pas drôle si on fait pas de résistance un petit peu. Enfin non, si on se complique pas la vie, tu vois, on se met tous à un point de vie et puis voilà, quoi. Bon, ne prends pas deux extrêmes. Tu te fais prendre un hit, c'est bon, c'est mort pour toi. Et bah, tu sais quoi, on a qu'à faire la COP en deux étoiles, ça ira 10 fois plus vite. Bah oui, bah bien sûr. Que j'ai un 2 étoiles. 2 étoiles vert. Non, rouge carrément, tu sais, comme ça, contre affinité du boss, impeccable. Vas-y, je vais aller chercher le chat 2 étoiles rouges. Mais laisse tomber quoi. Salle 1, déjà, t'en as pour 3 quarts d'heure, et encore. Je suis gentil. Et encore. J'espère que t'as pris des congés, parce que là, pour faire juste une room. Juste une room, t'en as pour 3 jours. Ça serait à tenter en vrai. Non, déjà, juste fais ça avec un record de combo, déjà, on a déjà marre. J'avoue, le combo, laisse tomber, comment tu le montes? Bah, j'ai fait 47 000 de combo. Oui, d'accord. T'as avec ça qu'à foutre de ta journée, quoi. Bah ouais, je vais y aller. Je vais me faire chier si je faisais ça. Et encore, j'ai failli sur la fin. Ouais. Parce que, comme un con, j'ai pris un allié. C'est quoi qui reste, là? Il reste. Il reste où Kyo là. Non mais je sais pas, il y avait un mob dans le coin là, personne voulait le tuer. Putain, vous m'avez fait peur, au moment où vous avez tué le mob, j'avais les bombes dans le ventre. Ça aurait pu hein. Genre j'ai balancé la bombe et je vois le mob il est là-bas, il meurt pas, il y a rien qui ripote, je suis sûr, j'ai fait non. 34 quarts d'heure, ah oui carrément. Qui va bombe dans le vent? Ah non. Bah non. Quand même. Pas de vent. Air clear pas une room, certes. Hein? Parler de l'aspect de Toshiro TT, je crois. Aussi, quand même. Moi, je one shot la dernière salle avec lui. Hein. Quand même. Ouais, Toshiro TT, c'est pas non plus. J'ai envie de changer là, ça me saoule de jouer à NAD. Alors t'as qui? On regarde. Attends, je vais te mettre les Veir. Veir. Je vais jouer Toga TT. Et tu as Shinigami Ranka. Shinigami Capitaine. Oh, t'as le Byaku. Le Byaku vert des 1000 ans. Oui. Tu joues en pression avec son bombardement. Ça fait...
Voilà, partout. D'accord. J'ai joué Wonder Wise level 1. Non, tu joues Byakuya en double Sekaisen. Toujours plus de plaisir. J'aurais aimé 2 étoiles. Non. Oh, merci du follow, Mori. Merci. C'est gentil. Et du coup, tu disais quoi sur Ender? Je t'ai pas entendu avec la notif. Alors du coup, je prends Reimé aussi et je vais aller la stuff. Hein. Tu peux même pas les stuff, je crois. Si, tu peux mettre des accessoires. Ah ouais? Ah ouais. Eh vas-y, rien à foutre. Vous avez terrain à carry. C'est tout. Alors par contre, je pense que ça va prendre son full endu. Hein. Ah non, j'enlève l'endu, de toute façon déjà qu'on a pas... Niveau 1 en plus. Attends, oui. Ah oui, j'avoue, enlève l'endu. Oui, niveau 1 en plus, oui, la mienne, oui. Moi, elle a... Ah oui, ah oui, ah oui, elle attends. Elle a 16 points de vie. La même. Attends, je crois qu'elle a... Elle a une spé. Wonder Wise, tu le trouves trop stylé. Non, je crois pas. Non, elle a pas de spé. J'ai mis un corset, ça sert à rien. Ça partir des 4 étoiles, je crois, qu'il y a une spé. Exact. Attends, Non, 3 étoiles, il y a besoin d'une spé. Je crois. Résumé, non, elle a que un soin et une attaque normale. Allez, 675, 529. Je vais la mettre Nad, t'es malade toi. Elle tape même pas sur la pression. Ah oh oui, j'avoue, Nad, attends, j'enlève le truc. Ah mais non, mais j'ai pas de... Oh là là, ça va être une galère à la stuff. J'ai pas de... J'ai pas de machin là, j'ai oublié le nom. De... Ah oui. Non mais c'est pas Aori justement, c'est... Enraku où. Voilà, c'est ça, j'ai pas de Enraku. D'accord. Bien, voilà, paf. Oh, j'ai que... Oh, je vais mettre une carte du dragon. Attention, J'ai 16... plus 16 en avec les accessoires en vie, plus 9 attaques. Je vais y mettre un truc inutile en accessoire, j'en ai rien à foutre. Tiens, voilà, un Goku Tenko, voilà, bam. Impeccable. J'ai 19 d'attaque. J'ai plus 13 d'attaque. J'ai 23 d'attaque. Impeccable. Allez, c'est parti. Je savais pas si je vais arriver à taper 100 sur le mob en face. Mais tu tapes jamais 100. Et encore en critique, quoi, c'est tout. Déjà. Ah non, j'ai pas mon critique. J'ai pas le critique. Tu pourras nous soigner. 50 déjà, c'est un exploit. Allez, 502, 806. Ah, par contre, prenez des vrais persos, hein, les autres, hein, parce que ça, c'est la merde. Oh mon dieu, t'as mis le. J'ai mis le Golden Yuki et le Papyrus. Mais non, mais t'as mis le Gokon Deko. Oui. Voilà ce que j'ai mis. La canne, carrément, la canne défense plus 20, quoi. Je l'ai eu récemment, j'avais pas fait le reroll. Allez, on est tipard. Allez, nous on meurt pas, nous. Eh, hey, sur Ender, c'est celui qui tient le plus. en jouant. Mais je vais courir, mon gars, j'ai la canne dragon. Oh, j'ai un seul chimpo. Oh, c'est de la merde. mec, je gagne 50% de vitesse. Enfin, non, c'est une roulade, c'est pas un chimpo. Elle aime bien les cannes. Ouais, mais moi, j'ai... Oh, Peké, pardon. Oh, mais regarde comment je vais archi vite. Wouah. Attends, oh putain, le soin! En plus, c'est que pour moi! Oh, j'ai fait 28! 28 de dégâts, 25! Oh, incroyable! Le soin qui revient toutes les 20 secondes! Oh mon dieu, c'est quoi? Oh, je suis mort! Ah bah, GG! Non! Non! Moi aussi, je suis mort! On avait pas fait deux vagues! Grave! En plus, moi, j'ai été dessus comme un gros bolos en mode oui, je meurs! Bam! Moi, mon attaque 1 s'est lancée. Et genre, le mob il m'a attaqué juste après. L'action était toujours en train de se faire. Je suis mort. Elle a pas pu Shunpo. Bah, roulez. Oh les cons. Merci, Peké. Ah, tu sais quoi, je reste. J'enlève une bougie, t'inquiète, nique ça rien. En avant! Allez, je reste. Et je reste aussi. Allez, hop là. Ah bah je suis mort. Ça y est. Vas-y, je vais le tuer. Ah,
Allez, on reste sur Surrender, juste pour le lol. Oh mon dieu. Je suis dans le coin. Tu veux faire t'as le Noitora à droite, et t'as l'autre qui va faire son tourniquet là, et t'es en mode bah salut les gars. Bah rip ou batch. Voilà. Alors, non mais les gars, non mais. Mais les deux ils sont morts en fait, les deux ils sont morts. Alto Shiro, bah il vient de redire. Fimero, reste pas, c'est qu'un ticket, Fimero. Oh. Ah bah d'accord. J'avoue, c'est qu'un ticket, c'était pour le lol. Hein. J'ai encore 120 bougies, au calme. Ah oui, y'en a, ouais. C'est pas dans la même dimension. Bah du coup, on peut faire la prochaine, je peux garder mon 2 étoiles la prochaine, c'est cool. Oh là là. Pourquoi elle était dans mes persos aussi, story email là. Quoique, je vais peut-être prendre un orange. Parce que j'ai deux cannes orange, je vais aller archi vite. Tu es 100% deux fois plus vite. Bah j'ai une canne 4 étoiles et une canne 5 étoiles orange. Oh, et tu mets ta canne verte dessus encore. Bah non, tu peux pas mettre deux accessoires de 4 étoiles pareil. Ah bon? Bah tu as 5 étoiles, tu la mets en 4 étoiles. Oui, et après tu mets une verte. Mais la verte tu peux la mettre aussi, non? Ah non, oui, non, tu peux pas, c'est vrai. Ça... Ah non, c'est le même tu peux mettre deux Yuki. Bah si tu peux mettre, c'est comme si tu mettais deux Yuki. Oui, tu peux pas, oui, bah il y en a, oui, c'est vrai. Oui, voilà, pas besoin d'argumenter plus. C'est vrai que c'est le même item. T'as combien de points de vie là? J'en ai 54. J'en ai 61. Record. Que... Non, parce que t'as le golden. Oui. J'ai Chappie plus Golden. Et j'ai Gokon Tenko. Ok. Eh, mon hit maximum c'était 28. Hein. Et encore. Je sais pas, j'ai pas eu le temps de regarder. Clairement. Et après, je vais voir si j'ai un rôle. Ouais, vraiment. Que y a moyen que tu vois aller aussi vite qu'il connaît. Pequeno qui est choqué, 120 bougies. J'avoue. J'ai tellement pas farm les joueurs ici ou des extreme coop. Même rien du tout. Hein. Ouais. 120. Bah, c'était pour pendant les step up aussi, t'en donnais des bougies, les joueurs de connexion. Ah ouais, mais là. Ton 5 Ayman aussi. T'additionnes tout ça et t'arrives à pas mal quoi. Moi j'ai déjà tout claqué. Bah voilà, tu vois, on a gagné. Ici avec des 2 étoiles. Bah, easy, oui. Bah, attends, on avait deux soins, hein. Truc de ouf. La preuve, le soin, il a tellement servi, on se faisait one shot à chaque fois. J'ai pris un 400 de dégâts, j'ai fait ok. Ok, bah, j'en ai 61, 400 dégâts. Eh, bon, niveau 26, niveau 26, ça va être une pépite, là. Et j'y retourne avec, hein. Du coup, on a gagné. Enfin, rien à foutre. On a gagné. Attends, moi, je vais chercher un orange. Vite, ce que j'en ai. Ah, pour ça, y'a personne qui rejoint à part Fimero et Ubal. Ah, j'ai qu'un 3 étoiles. Bah, je joue un 3 étoiles au pire. Kaname ou Gin? Gin, direct. Ok, Kaname. C'est l'enfoiré. Bah, on va les stuff. Je vais mettre un link survie parce que je suis pas con. Et oui. Ok, attends, je vais aller le maxer. Alors, les limites. C'est vrai qu'ils ont un arbre. Elle va lâcher des diamants. Ah bah oui. Ouais, Ubat, il sort le Yamaji triple 10, double goldo, il y a quoi? Je vois qu'il y en a, ils dégonnent plus ici. Ah, y en a, ils ont posé leur couille sur la table. Hein. Plus 1600 en attaque. C'est pour éviter de trop mourir. Les bougies, j'en ai tellement, je vais en garder pas mal. On sait jamais. Ah, mon dos. Ah, mais ils ont... Quand même, sur la Orimée 2 étoiles, ils ont abusé ses boobs aussi. Hein. Bah, sur toutes les Orimées, non? Oui, certes, mais sur celle-là, laisse tomber. Bah, attends. J'annule qui est pas mal d'Orimée. Il va nous sortir la maillot de bain. T'as deviné. Non, c'est mieux la première maillot de bain, c'est pareil aussi. Mais j'avoue, sur celle-là, ils l'ont abusé aussi.
Cette paire de boobs. C'est quoi ce full Senkaizen dessus là? Pour les cas de groupe. Alors, il me manque un troisième accessoire. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre une pilule. Ouais, non, c'est mon iconique là, donc j'ai la flemme. Moi, je mets L en niveau boobs. C'est bien aussi. Alors, Charalink, j'en ai deux, j'en ai quoi? Ouais, je l'ai opté, je l'ai aussi. Sur sa carte, laisse tomber, c'est abusé. Bon, faut que je retrouve ma Orime maintenant. C'est laquelle? Alors, j'arrive. Celle-là. Ah, toi aussi, t'as Yamagis P2 ou Batch? 258, 6, merde. Le tout premier, j'ai chopé dans un ticket Brave Shoes et le deuxième, je sais même pas où je l'ai pris. Regarde-moi un peu ce canamé de l'amour. Oh là là, il est propre. Le vert, il a tant de survie 100%. Ah ouais, je savais pas. Oh, c'est le dernier Yumi qui est sorti. D'accord, ok. Salut DJ. Il s'est très vite retrouvé en feeder aussi. Salut Lux. Moi je t'appelle Lux, sois plus vite. Très vite retrouvé en filler, ah bon? Ouais, attends. Il était en filler pour quel portail? Non, il était pas pour une brève sélection. Non, il est tombé en filler, je l'ai pour le nouvel an. Ah ouais, bah je sais pas, j'ai pas invoqué sur le nouvel an. Le retour du nouvel an, il était en filler. Il y avait Chigo Orange, un autre. En avant! Mais mec, je vais archi vite! Ça te TP sur mon écran. Oh là là! J'ai fait un hit à 360. Non, c'est pas moi. Je fais des hits à 120. Oh my god. 115. Oh my god. 100... Oh là là, 147. Magnifique. Mais je tape du 280. Incroyable! Et on n'est pas mort encore, on a survécu au premier pack. T'as vu 190? On a fait une room! Incroyable! Mais c'est incroyable! Je viens de choper le Kenny. Mais non! Dans les bras, excuse. Oh, GG! Excellent! GG! Mais ce GG! C'est la même pour ça, lui, il a obtenu aussi sur les tickets. Bref. Attends, c'est quoi ce Shumpo de l'infini qu'elle a là? Elle aurait mis 2 étoiles là. Moi, ça roule à l'infini! What the fuck? C'est quoi ce bordel? Tiens! Putain, c'est pas terrible, Yama! Bon bah, je suis mort, ça y est. C'était la. C'est pas terrible, moi j'ai la survie, moi je meurs pas, moi! Allez, on va sur ce render. Qu'est-ce qu'il y a, je spire! T'as fait 1600! C'est pas moi, t'es malade, je suis pas 1600. Ah, mais tu l'avais déjà. Ah bah rip. Mais GG quand même. Ouais, je me souviens à l'époque, début de BS. Salut Saitama. Ah, j'ai tapé 5000, regarde. Mais non, Aizen Rouge, doublon sur les tickets. Ah bah GG aussi quand même. J'ai utilisé un 5 étoiles pour les roumains. Et pour l'aspect au boss, j'ai utilisé un perso 3 étoiles, la Siphon 3 étoiles. Ouais. Parce que si tu veux, elle avait. Elle lançait des codex, sauf que tu shootais à plusieurs hits ton ennemi. D'accord. Merde. Ah. Et le deuxième rival. Du coup, il est one shot. Oh, je meurs avant. Bah, après, si Miro. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu vas peut-être aller jusqu'au bout, on sait jamais. Hein. Ah, bah, je peux le faire, mais que si je fous le fuite. Bah, non, faut. Le but, c'est d'attaquer, tu vois. Bah, ouais, c'est ça le but du truc. C'est pour ça que c'est drôle. Ah, bah, je sais pas d'où ça m'a touché. J'ai coupé vite mon micro, il y avait un tracteur qui est passé. 6 stars niveau 1 pour les quêtes de guild. J'avoue, Aizen Rouge pour les quêtes de guild. Comme ça, paf, ça fait un bonus. En plus, il a un petit vortex. Bah non, justement, 5 étoiles, faut que tu le laisses. Si t'as l'autre Aizen Rouge au level 200. Sinon, tu pourras pas mettre les mains dans la même team. Non, mais il reste quand même avec un vortex en. En strong 2. Ouais, mais bon, le vortex il tape pas beaucoup, donc ça sert à quasiment un peu à rien quoi. Il sert pas énormément son vortex, on va dire.
Les 3 derniers 5 étoiles, 3 doublons iconés, Siphon et Choix TD. Bon, ça va. Les 3 doublons iconés, mais t'en fais quoi? Non. Ça se paye. Il a eu un doublon iconé, un extra... doublon... Ah, c'est un gros, ouais. J'ai mon téléphone qui lag à bord, là. J'arrive même pas à faire un choupeau, là, c'est bon. Je revive, nique sa mère. En avant. J'ai failli mourir. Nique le neutra, nique. Oh, j'ai fait 219, Tayo. Il était en train de venir vers moi, l'enfoiré. Vas-y, tap. Ah, bien joué. Ça fait plaisir. Pas de frenzy n'est-il en 5 star, oui. Bah, enfin, il peut te servir en bonus quoi, il fait un double bonus, Tayo. Full fuit. Attends, je vais spec l'homme qui fuyait aussi vite que possible. Mais elle a des roulades infinies, elle s'en bat les reins. Tu veux du soin, paf. Un peu de soin. Non mais le soin c'est que pour toi le soin. Non. Fimero et tout, ils ont eu l'effet de soin. Non, ça déconne. Si, je te jure. Putain. Oh, oui. J'ai vu 100, plus 100% sur Fimero, donc bon. En vrai j'avais pris ma Inamori full auto, elle aurait récupéré 1400. J'avoue. Vas-y, je spé. La brûlure! Brûle en enfer, une cura! Oh, je viens de tuer un mob, incroyable. Bon, il restait un point de vie, mais ça, c'est un détail. Ah! Putain, tu es full distance. Fibéro, il s'est fait couper par le truc, quoi. Fimero il a deux bombes mais il garde pour. Mais Fimero t'es non, pas. Non tu vas pas, tu veux. Tu Streamlabs il me demande. Oui je peux être modérateur. Non. Déjà un bot qui me demande d'être modérateur, il je suis qui on fait ce bâtard. J'ai peur d'avoir un doublon pour le ticket de fin de mois. Ah moi après, je suis pas sûr. Doublon, hein. Si c'est un bon doublon. Ouais ça dépend. Ouais ça serait un doublon Izuru TT, je dis pas non, comme ça j'en regarde un en ligne qui est un que je joue. Fimero il aurait pu se faire ban quoi, limite quoi. C'était là, mais Fimero on sait tous qu'il... Fimero il va son Toshiro TT. C'est même pas Fimero. C'est Pequeno. Je lis mal, en plus je lis mal. Ah non mais... Je parlais des doublons moi. Je disais Fimero c'est tous qu'il va avoir son Toshiro P5, il va être content. Ah ouais. Bon alors. Bon là on va reprendre un perso quand même un peu plus sérieux. Un petit Pichigo manga quand même. Qui je vais prendre? Je sais pas. Parce que là c'est bien marrant 2 minutes, hein, mais faut aller plus vite quand même. Ça va être long après. Sur Arrancar Espada, qui j'ai? Alors j'ai pas. Oh, peut-être quand ça, on va quand t'as 110 jours de jeu et que tu tapes déjà des doublons, ça sent pas bon. Effectivement, ça sent pas très très bon. Alors... Tu vois, moi, ticket 5 étoiles Senkaimon, voilà quoi. 5 cuplons Joshiro, voilà. Que demander de plus? Il m'aurait sorti une Siphon, j'aurais fermé le jeu. Le mec qui mange 99, il fait chier. Il doit chier des serpents. Quoi? C'est qui mange 99? Bah, j'ai pas suivi la conversation et je ne veux pas la suivre. Ah, Fimero il dit ta gueule, je le veux pas ce P5. Bah, maintenant que tu l'as dit, très bien ce qui va se passer. Hein. Un fragile de 17 ans qui fait 30 kilos. Quoi? Ah, c'est oui, plus okay. Haut, je la retiens. 99 par semaine pendant 2 ans pour faire 70 kilos. D'accord. Il est pas bien. Hein. Doublon iconé et Soyfun, je prends n'importe quand. Oui, voilà. Des bons doublons, tu prends n'importe quand. Soyphone, non, je le prends plus. Je l'ai SP5 et une deuxième SP3, je la prends plus. Moi, je la frappe. Bah, prends, tu passes ça pour tout le monde. Surrender qui sort la Yachiru de Yelou. C'est la seule que j'ai eu du. J'ai pas une seule Yachiru. Mais ça me va très bien. Moi, j'ai la Milan, elle est trop bien.
Super, c'est un Link 14. Incroyable. C'est pas qu'un Link, Yashiro. C'est un Link. C'est pas qu'un Link. C'est un Link. Mec, je suis sûr, être one-shot un boss easy là, en contre-infinité. Faut voir. J'ai la test après. En 1000 ans, j'ai le Ichigo version finale. Hein? Tu les as dans 1000 ans ou t'as la version 1000 ans? Non, non, il les a eu en 1000 ans. Il a eu deux persos en 1000 ans en fait, si tu veux. Non, je plaisante. Ah, du coup, il a que deux persos de la version de la guerre des 1000 ans? Apparemment. C'est pauvre, hein? Il n'y a pas les autres. Après, peut-être qu'il a commencé à ce moment-là. Ça se peut. On ne sait pas. Yuhabaha. le vrai nom de Iwatch. Yuhabaha. En fait, il s'appelle pas du tout Iwatch, c'est juste. Je sais plus c'est quoi, c'est une erreur de traduction ou un truc comme ça. C'est Yuhabaha, c'est ça l'erreur en fait. C'est l'auteur qui s'est trompé. Ah oui? Et comme les versions japonaises, c'était déjà sorti en tome, cette version-là. D'ailleurs, les premiers. Les premières trades en FR, ils étaient juste. C'était Yu. Non, attends, c'est de la connerie, attends. J'en réfléchis. Genre, c'était à soi. C'était une erreur de l'auteur. Et en version française, c'est même pas Yuhabaha, c'était Yuhabak. Ah oui, Yuhabak. Après, ils ont traduit par Iwatch, c'est le vrai terme Iwatch en fait. Non, on s'en fout, c'est Yuhabaha. C'est pas Iwatch. Ça, c'est pas du tout la même religion en fait, les deux noms. Oui, parce que ça s'inspire de je sais plus quoi. Il y en a une, c'est les juifs, je crois, juive. Et l'autre, je sais plus. J'ai regardé tout à l'heure. Allez, vos yeux Zebody. Waouh! Incroyable. One Punch ce soir, qui est prêt? Ah, c'est vrai, il y a aussi moi, One Punch. J'attends avec impatience. Ouais. L'épisode 2 était très bien. Oui, c'est j'ai vrai. Déjà vu tous les scans. Je veux quand même voir. Apparemment, ça va être horrible, apparemment. Parce qu'ils ont. Oh, apparemment, au niveau du. Dis-moi, c'est pas un extra ça? Bah oui. Le développement justement de l'anime, il y a eu pas mal de problèmes. Surtout de mais temps. En fait, l'anime, des fois, t'as des épisodes souvent, t'as des scans souvent, des fois, t'as rien. Ouais. Ah bah, j'ai volé ta vie, super. Incroyable. Disons que c'est chaud pour eux pour finir les épisodes qu'ils sont en train de faire, quoi. Bah, moi aussi, j'en ai pris deux parce que bah quand Ichigo il tape, bah, forcément, il prend les deux, cet enfoiré. Bah. Non, c'est pas une excuse en fait. Bah si. Non. Bah si. Le Tolok de merde, non. C'est tout. Non. Mais moi je t'ai dit que si. Mais non. Attention. Ouh là là, quelle menace. Je ne suis pas mort. Quoi, moi j'avais vu aussi me dire. Ouais, c'est... moi j'ai eu peur de ta menace, hein, clairement. Bah heureusement. Oh, sérieusement, le Shumpo qui fonctionne pas là. Meurs avant, merci. Oh, on me menace pas comme ça, moi. On te menace comment alors? Bah, y'a un couteau. Ah. T'es un peu loin. Genos. Mon perso préféré. Chacun ouais. Son perso préféré. Hein. C'est vrai que ça reste quand même Saitama. J'adore ce. Enfin, tu parles, à chaque fin de combat, il revient tout casser, mais bon, enfin bref. Non, ce que j'adore sur lui, c'est le fait d'avoir fait un héros qui s'en bat les couilles, il a une tête, mais mon gars, c'est... Non, mais je te parle de Genos, là. Mais Genos, c'est... Dès qu'il finit un combat, il est tout cassé. Il est un peu comme moi hier, toi. Tu vois, c'est un peu comme moi hier, il s'est fait bolosser. Exactement. Son bolosser. En fait, t'es Genos, toi, en fait. Mais oui, mais oui. Non, d'accord. Je ressens plus à King, à mon avis. Oh lui c'est bolos lui. Oh putain. Ça parle beaucoup mais c'est nul quoi. Non, pas aussi fort que Saitama, je crois pas, non, faut pas abuser. Non, déjà qu'il arrive à rattraper Tatsumaki et tout le reste, après on reparlera de Genos. J'avoue. Déjà faut qu'il se rapproche de Metal Knight. Déjà.
Il y a du chemin à faire. J'en ferais qu'il fasse le taf aussi contre White Fang. J'ai oublié comment il s'appelle. Le vieux là Ouais. Je sais plus. Il a un autre nom, je crois, que White Fang. Oui, ça doit être son pseudo de héros, ça. Ah, ils leur ont pas donné des pseudos de héros Bah, il me semble que ça arrive bientôt, les noms de le héros. Le chauve capé pour Saitama, et c'est le démon cyborg, un truc comme ça, pour Genos. Ah, ils les ont donné déjà? Oui, dans le dans l'épisode 2, oui. Ah, je voulais pas spoil au cas où, donc... Non. Si c'était... Bah, de toute façon, je viens de spoil tout le monde, ceux qui n'avaient pas encore vu l'épisode. Non, mais c'était dans l'épisode 2, de toute manière. Oui, bah oui, c'était la semaine dernière, c'est de ta faute si tu regardes pas, quoi, enfin, voilà. Surtout que c'est gratuit sur ADN, quoi. S'il te plaît. Ouais. Moi, je vais sur Jet Anime. C'est gratuit aussi. C'est pareil. Alors, attends, du coup, Rukia en Link. Aizen en Link. Erenji Milan en Link. J'y arrive. Tu viens de sortir qui, là? Bah, les chiens. D'ailleurs, ça se dit pas Yuhabaha. Ça se dit Yuhabaha. Bah. Il y a deux R à la fin, apparemment. C'est parce que ça cause la prononciation en japonais, justement. Où ils accentuent un peu trop la fin. Ah ouais? Putain, j'ai pas retrouvé l'article que j'avais trouvé il y a des années. Dommage. Ah, Yashiro! Oh putain, j'en ai qu'en 4K et les écritures sont tout petites, c'est difficile. Yashiro, elle est trop bien, puis ça se plaît, elle est trop bien. Senpo Kenju. En vrai, elle a le shikai le plus abusé de la Soul Society. Grave. T'imagines, elle aurait un Bankai, elle. Enfin non, c'est vrai que c'est le shikai de Genpachi est déjà abusé. Mais c'est rien comparé au shikai de Yashiro. Je trouve que le shikai de Yashiro est beaucoup plus cheaté que... Genpachi. Mais je sais plus pourquoi elle disparaît d'ailleurs, Yachiro. Ah mais ça, parce que... sinon on spoil les gens qui n'ont pas vu les... Bah vous mutez le live, les c'est mangas. Tout, point final, m'en fous. Alors attention, on va le dire pendant 2 heures, alors ceux qui ne veulent pas savoir, ils quittent le stream pendant 2 heures. T'as lu l'escadre Oui, ou mais ça fait tellement longtemps que je les ai pas... À ton avis, comment t'as disparu, Genpachi fait quoi? Bah il se transforme en Bankai, c'est tout. Enfin... Et bah voilà, t'as la réponse. Même en Shikai, elle disparaît. Non. Si, la première fois. Quand Genpachi sort son Shikai devant le Quincy, justement, elle disparaît. T'es sûr de ça? Parce qu'il l'a fait jarter. T'es sûr qu'il l'a fait jarter? Non, il me semble qu'il a transformé son squelette en biscuit, justement, il est à terre. Et là, il y a Pequeno qui fait pas de spoil, et là, on vient de le full spoil. On a prévenu, hein. On a prévenu. on a dit qu'il fallait se barrer. Déjà qu'on n'est pas très d'accord. Une des deux versions, c'est nul. Ça se trouve, c'est rien du tout ça, tu sais. Ah, ça date. Faut dire que ça date, c'est pas sorti en anime, c'est pas frais, quoi. Monde de bâtard. J'ai coupé le J'ai son. J'ai coupé le son. Je te ferai un signe après si tu veux. Bah, du coup, il t'entend pas, t'es con. Bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, il se démerde pour réactiver le son. C'est pas que tu vas faire un signe. Bon, je peux y faire un fuck, mais bon, après, je vais faire battre de Twitch. Ah bon? Dommage. De pas lui faire un fuck, hein. Ouais, bah, d'accord. Oui, j'avais compris, t'inquiète. Oh, on sait jamais, hein. Des mots mal interprétés, tu sais, ça va vite. Hein. Alors vite, allons voler la vie. Ouais, t'es pas full, voilà, t'étais pas full life? Non. Non, oh, au batch. Bah t'es plus full life non plus là, non? Bah si. Je sais pas, sur mon écran t'es pas full life. Je le suis. Et tout à l'heure t'étais full life avant de prendre la vie. Eh bah non. Bah GG hein, bien sûr. Il m'a manqué quelques points de vie. Ah. Vite, l'aspect, vite! Je la laisse parce que j'aime bien. Paf, voilà. A pu le cura.
A plus aucun. En plus, elle met un break def abusé. Grave. Moi, je pense qu'il va bien te remettre le son au bout d'un moment quand même. Mais en tant que modo, tu peux. Ah oui, c'est vrai que c'est lui qui a enlevé le son. Oui, oui. Je vais pas sur ce point. En fait, personne n'est d'accord sur Ewatch, sur son histoire, en fait. Ouais, un peu de mystère, ça fait pas de mal. J'avoue. C'est comme la fin alternative créée par des fans avec le Bankai Daizen, quoi. Faux. Non, il n'en a pas. Enfin, il le montre pas. Ouais, non, c'est pas s'il l'a, tu vois. Son Shikai, il en a, parce que... Son Shikai est déjà tellement abusé. Mais est-ce qu'il dit vraiment que c'est son Shikai, d'ailleurs? Est-ce qu'il le dit à un moment? Bah oui, vu qu'il donne son nom, il donne le nom de son Shikai. Il dit pas Bankai, il dit pas que c'est un Bankai, parce que... Et là, on espère que PK est encore mute, parce que sinon il va encore gueuler, donc du coup, je combats un peu le temps que tu l'enlèves. J'espère que c'est fait. Donc il dit heureusement que je t'ai montré mes capacités de mon impacto avant pour que tu t'y habitues quand il donne le coup final à Ewatch. Ah oui oui. Donc là il parle pas de Bankai, il parle que de juste de Shikai de sa capacité. Ouais, après son Bankai c'est peut-être un qui saleté comme pour Shinji ou des trucs comme ça, tu vois. Il ouais, y en a qu'un seul que ça je vois, c'est aussi, tu vois, et je veux voir comment il s'appelle. Ishin, voir si vraiment il a un Bankai cheaté ou pas. Mais il allait dire Bankai, sauf qu'il s'est fait avoir par derrière par Aizen, justement, pendant qu'il combattait Shiro. Oh, il s'est fait avoir par derrière, c'est moche. Je crois, je suis pas sûr. Hein. C'était quoi, dans la guerre de Mulan, celle-là? Comment il allait le déclencher? Ouais. Et je vais vérifier. Hein. Je me souviens même pas. Et Shin versus Shiro. Et tu sais quoi? Franchement, après là, je vais me lancer dans les scans encore. Il va la pêche. Moi, je regarde un mec sur YouTube, il monte les pages du manga, tranquille, comme ça j'ai juste avancé un petit peu. J'ai tout me retapé. Enfin, l'arc de Milan, pas tout Bleach, on va pas abuser. Sinon, il y a l'animé, c'est plus sympa quand même. Ouais, l'animé, tu le prends à partir de la Soul Society. Oui, bah il peut son Shikai. Ça, un peu de la merde. Non, c'est juste après qu'il utilise son Shikai qui est baissé. Donc Ishin il a utilisé son Shikai que contre la bataille de Karakura. Et encore, je suis pas sûr. Non, il a pas utilisé son Shikai pendant la bataille de Karakura. Non non, son Shikai justement c'est uniquement contre Shiro qu'il utilise. Shiro? Ouais, Burn Engetsu. C'est un impact de feu. Ah, c'est contre celui qui le premier Espada ou Arrancar qu'on voit là. Le gros, là. Ouais. Shiro, le blanc, là, celui qui mord la mère de... Ah oui. Oui, oui, ok, oui, c'est bon. Oui, non, comment il s'appelle? Bah, Shirosaki, quoi. Il y a un autre, non, c'est pas Grand Fisher? Non. Ça, c'est une autre des expériences d'Aizen, mais c'est un autre délire, ça. Ah oui, Shiro, ok, oui. Oui Shirosaki. Ok, oui. Waikiki, oui, celui qu'on voit dans... celui qu'on voit dans les scans, ok. Okay. Ouais, tu vois pas dans la nuit. Le holo blanc. Si, c'est bon, maintenant je vois. Non, ils l'ont appelé le holo noir, je crois, alors qu'il est tout blanc ou un truc comme ça. Ou l'inverse. Non, ils l'ont appelé le holo blanc parce qu'il est tout noir, de base. Ou un truc comme ça. Enfin, il a un nom inversé, Shirosaki. Ouais. Faudrait que je remate, franchement. Parce qu'en vrai, l'arc des Milan, il est pas oufissime niveau méchant, mais niveau histoire. Il est dense, hein. Il est dense, ouais. Il est grave complet niveau histoire, mais sinon... Méchant, on a quand même Ewatch, quoi. Ewatch, s'il te plaît. Ouais, bon, ouais, on sait même pas comment il s'appelle, alors bon... N'importe quoi. S'il te plaît, Ewatch, quoi. Le mec, je veux juste niquer le roi spirituel. Oh, super. Bah moi, si j'ai bien compris, il voulait donner l'immortalité à tout le monde. C'est ce que Aizen devait faire depuis le début, alors bon... avoir un but comme ça, je me dis, bon, bah on l'a déjà. Oui, bah oui, c'est pour ça. En fait, c'est le même truc. C'est pas clair en fait, c'est surtout ça le problème, c'est pas clair. Bah, c'est bizarre. Il l'explique à la fin, Ewatch, pourquoi il voulait faire ça. Oui, il voulait donner l'immortalité à tout le monde.
Il voulait fusionner les... Tous les mondes. Les trois mondes. Les trois mondes, justement, et donner l'immortalité à tout le monde. Je sais pas. C'est ce que j'avais lu. C'est bizarre. C'est à peu près ce que j'ai lu aussi. Sauf que s'il fusionne les trois mondes, ça détruit tout. Donc bon. Mais bon... Ouais, mais à la base, apparemment, c'était comme ça, de base. C'était un monde... Les trois mondes étaient réunis, en fait. Si j'ai bien compris. Après, ça a été séparé. Faut que ça soit stable. Enfin, il y avait une histoire comme ça. Ouais. C'est même pas net, c'est pas net. Ouais, bah oui, mais en fait, il y a grave du flou. C'est pas expliqué comme ça devrait l'être, tu vois. Il y a un truc dans la guerre des millions que j'ai pas aimé, c'est qu'on te met une grosse hype sur Yamaji et on te le détruit juste après. T'es en mode, ouais, mais en fait, ce gars, mais c'est un truc de malade. Il est trop balèze. Attention, spoil. Echo, attention, coupe le micro, je laisse 2 secondes. Attention. 1, 2, et voilà, c'est bon. Il a 3 bonkai. 4, pardon. Quoi ? Non, il a 4 capacités sur son bonkai. Mais il n'en sort que 3. Parce que sinon. Non, il sort les 4. Non, je crois qu'il n'en sort pas une. Il y en a une qui sort pas. Il a montré le nord. L'ouest. Il a montré le nord qui lui met le bouclier. Il a montré le est qui, quand il coupe. Sa lame, elle a pas de feu. Ça détruit tout. Oui, sa lame, elle sort pas de feu. Quand il tape le est, quand il touche avec le bout, avec la pointe, ça lâche du feu. Et le sud, c'est il refait venir les morts. Il a montré les 4. Ah, oui. Il a montré les 4. Mais il est mort, il a tout donné contre E-Watch, en pensant que c'était E-Watch. Mais c'était pas E-Watch. Au final, c'est W1, et c'est Tekken comme ça, quoi, en fait. On t'a mis une hype. Et puis juste après, bah, on t'a dit, bah attends, bah, déjà on va le couper en deux. Déjà qu'il lui manque un bras. Alors. Mais en vrai, Kelab, il pourrait faire tellement un perso cheaté sur Yamaji Milan. Ouais. Enfin, en fait, t'imagines, déjà les trois premières strong, ça serait un de ces chaque Bankai, tu vois. Et le dernier, ça serait le réveil des morts. L'aspect, ça serait le réveil des morts. Ouais, en vrai. Et genre, ça changerait le personnage à chaque fois qu'il lâche une strong. Pépite. Oui, non, mais en vrai, regarde, strong 1. Qui enflamme avec un dash avec genre une explosion à la fin. Strong 2, le bouclier. Strong 3, il fait une genre de full skin slash. Et tout ça, les deux strong qui enflamment et la strong 3 qui est weakness. L'ultime qui est weakness avec la vague. Ouais, salut Chimero. Bah, en vrai, ça ferait un perso qui serait le premier qui donnerait. Peut-être tout à l'heure, je joue pas, mais bon. Une double changement de stat à part la Yin Yang, mais la Yin Yang on la compte pas. Ouais, bah ouais. Parce que la Yin Yang c'est le seul perso qui a vraiment deux. Bah non, E-Watch. Qui a le même gameplay. Non, mais qui a le même gameplay, mais qui donne sur deux persos différents quoi. Il y en a oui. Une, c'est vraiment sur deux strong elle brûle et l'autre sur deux strong elle paralyse. Ah oui. Non, sur 300, quand c'était venu, c'était l'attaque normale. Je sais plus. Est-ce qu'il faut compter l'attaque normale? Non, l'attaque normale. Oh putain, je me suis fait SP par le E-Watch. Bah, soit elle brûle, soit paralyse la strong 1. Je sais plus. Si, c'est un truc de ouf. Moi j'ai la Yin Yang en full attaque normale. Ah oui, moi j'ai déjà mis des 13 000. Hein. Franchement, même l'étage 47. Ou 48, je sais plus c'est lesquels, elle le gère sans équipement, juste des links. Hein. Ou même sans stuff, hein. Je crois que j'avais fait sans stuff. Ah oui? Oui, la tâche 47, elle le gère sans rien. Mais pourquoi tu fais tes battles maintenant? T'attends pas 17h pour faire les... Mais pour non, avoir les 5 runes. Il y a le temps, mais... Pas besoin, c'est bon, j'en ai 300 et t'auras le ticket. Bah, t'auras le ticket, tu vas me dire. Qui va prendre la bombe? C'est le Tchad. Eh oui. Le Tchad qui carry. T'es en quelle ligue, toi? 4ème. Ah merde, je suis en 3. T'inquiète, je vais monter Viscap après. Je suis combien là? Je dois être 300, 400. Ah mais c'est vrai, mais depuis tout à l'heure encore mon Yamaji là il est pas équipé, putain. Chaud.
A chaque fois je le zappe. Mais tout à l'heure j'ai gagné 5 braves battles d'affilée avec mon Yamajin non équipé. Hein. Le mec il... Et mon Yamaji était encore en vie. Ta stuff là, ta stuff. Bah oui, là, le Ichigo et la Orime. Donc forcément. Au moins t'as les links, c'est déjà ça. Oh, c'est quoi ce link Ukira que j'ai cru voir? C'est le Kura. Waide, dégâts moins 16. Oh, je sais même pas. Eh oui, je l'ai acheté dans le pack quand il est sorti l'année dernière. Moi j'ai qui? J'ai le Chad. J'ai le Koga. Ouais. J'en ai un troisième, je sais plus c'est qui. J'ai Ikumi. Parce qu'elle est plus récente que la Ruka Lapin. Pas des battles. C'est quoi ce Toshiro qui résiste là? Quoi? Genre Shugen Pachi, il a été cherché direct quand il s'est relevé. Truc de ouf. Heureusement, je l'ai marave. Attends, mon Chaz, il a pas pris l'affaiblissement? Il devait déjà être affaibli, du coup son état s'est barré. Ça c'est propre. Ouais, son objectif, Haywatch, c'est d'éradiquer la peur de mourir. T'as été trouvé ça? Depuis tout à l'heure, Ubat, il est à fond dessus, il est en mode... Je te jure. Ah ouais, je viens pas rester dans le flou. Hein. Ah ouais, et c'est pour ça qu'il cherche à fusionner les dimensions pour que chaque individu... récupère son Rei Fushi, ça veut dire immortalité spirituelle. D'accord. Hop, le petit bois de du Genpachi, ça dégage. Bon, on va s'arrêter là, sur les bras battles, là. On ralentir un peu, quand même. Ouba, c'est reporter BFM, bonjour. Ah oui, c'est vrai, j'ai mon ticket 5 étoiles anniversaire aujourd'hui, grâce à l'anniversaire de Neliel. Ah, tu vas nous dire ce que t'as? Tu vas nous dire quel doublon tu as? Oh, ils ont fait une faute! Neliel, enfant, ne dit jamais Ichigo, a dit Itsugo déjà. Et c'était écrit Ichigo, c'est pas propre ça. Je suis venu, bah oui, c'est pas français, mais bon. Parce qu'à la base, elle a un jeu sur la langue. Justement, il lui manquait l'âme du roi spirituel pour fusionner les mondes. Et du coup, quand il l'a eu, bah il s'est fait tuer. Voilà. C'est tout. Non, justement, il l'a pas eu. Je suis en train de dire, il manquait ça. Bah si, il l'a eu, il l'a revêtu sur lui. Non, le All Mighty, ça, il l'avait déjà bien avant. Il utilise même contre moi mon Division 0. Ouais, contre le boss de la Division 0. Ouais. Eh mais, le Bankai de la Division 0, du mec, il est cheaté. Ouais, il enlève tout le monde. Il s'est quand même fait défoncer. Oui, mais Iwitch, enfin voilà, son pouvoir il est encore plus cheaté, forcément. Mais le fait qu'il. Attention! Peké! Attention! Mais je crois qu'il a quitté, hein. Je crois qu'à part ça. Un jour prochain, un autre sous-titres. T'as vu, en tout cas. Ah non, il est toujours là, il est toujours là. Il est toujours là. Tu remarques que je suis le seul à prévenir avant de parler, hein. Parce qu'il y en a ici, ils ah oui, pas nous, les couilles. Nous, on a pas de pitié, hein. Oh, un Taki 5 étoiles anniversaire. Dis donc, qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Bah, un doublon, bien sûr. Wow, je suis parti, il est parti dans un délire, le truc. Est-ce que je l'invoque par le bargain et tout, là, dans l'histoire du match. Est-ce que j'invoque maintenant le Taki anniversaire ou j'attends le 28 pour avec l'autre? La dernière partie connue du Soul King se trouve en enfer dans le corps de Bargain. C'est quoi cette histoire? Quoi? Mais il est pas en enfer là, déjà, Bargain. Oh là, ça spoil le roman. Bargain, ça spoil le roman? C'est du roman ça? Attends, non, 12 septembre 2016. Attends, attention. Attention, il me semble que c'est un truc genre. J'avais entendu, il y avait une histoire secondaire avec des gens de l'enfer qui voulaient faire je sais plus quoi. Ah non, mais ça c'est le film. Mais il y a une chose qui est, que tu ne sais pas, c'est que le manga n'est pas canon. C'est pas le manga qui est canon, c'est le roman écrit par Kubo qui est canon. Non mais il y a un autre truc avec du coup, avec ça pourrait être les enfers de Kubo. Oui, c'est sûrement ça, c'est parce que j'avais vu une autre histoire avec une partie sur les enfers. Et pas le film, hein, pas le film à l'inverse, c'est un autre truc. D'accord, je pensais que tu ferais ça. Non, c'est vraiment autre chose. Bon, par contre, si le stream voulait bien se remettre. Non, c'est moi qui crash, tant pis. On va end le stream.